Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs qui nous regardez derrière votre écran, chers collègues et chers amis, je suis très très heureux d'accueillir ce matin au Palais Royal chacune et chacun d'entre vous pour ce nouveau colloque organisé en partenariat entre le Conseil d'État, sa section du contentieux, mais aussi sa section du rapport et des études, et la chaire de gouvernance et régulation de l'Université Paris-Dauphine. La précédente édition nous avait réunis autour, je m'en souviens, de la réorganisation de la régulation, et je me rappelle, comme si c'était hier, la richesse des discussions auxquelles elle avait donné lieu. C'est un motif de fierté, Monsieur le Président. Chaque événement qui se renouvelle stimule l'intérêt de ceux qui y ont participé et donne envie d'en organiser un nouveau comme aujourd'hui. Alors, le thème de cette édition d'aujourd'hui est tout aussi ambitieux. Gouvernance et régulation des données. Vaste projet, comme s'était écrié le général de Gaulle, qui n'aurait pas bien compris, je pense, le sujet d'aujourd'hui, dans une situation qui explique la densité du programme de cette journée. Alors, je tiens d'abord à remercier les prestigieux intervenants qui nous font le plaisir, l'honneur de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je remercie très sincèrement Sylvie Hubach, présidente de la section de l'Intérieur du Conseil d'État, Éric Brousseau, professeur à l'Université Paris-Dauphine et directeur scientifique de la chaire Gouvernance et Régulation, Joël Toledano, professeur émérite d'économie associé à cette chaire, mais aussi ancien membre de l'ARCEP, et Jean-Denis Combrexel, président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui modéreront, avec la finesse, l'intelligence qu'on leur connaît, les quatre tables rondes de cette journée. Nous sommes également très sensibles à la présence parmi nous des autorités indépendantes et je voulais saluer en disant combien cela me réjouit Marie-Laure Denis, présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Roch-Olivier Mestre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Fabienne Siré-Desgardiers, vice-présidente de l'autorité de la concurrence, mais aussi Dominique Jamme, directeur général de la Commission de régulation de l'énergie. Leur présence témoigne de ce que les données sont un enjeu fort et actuel de la régulation dont ces autorités ont la charge. Et puis, un mot pour dire aussi combien nous nous réjouissons d'accueillir la présence d'experts, de représentants de la Cour de justice de l'Union européenne, dont on parlera souvent aujourd'hui, de la Commission européenne, mais aussi de l'OCDE. Leur présence montre que, sur ce sujet, on ne peut rien faire sans l'Europe, mais non plus sans la réflexion internationale. Enfin, merci aux nombreux professeurs, chercheurs, représentants d'entreprises confrontés à ces enjeux nouveaux. Les données bouleversent notre économie, et nous y reviendrons, mais surtout, plus largement, elles bouleversent nos démocraties, à l'heure où l'information et la fabrique de l'opinion s'émancipent de leurs canaux traditionnels et se retrouvent entre les mains des acteurs, essentiellement privés, qui contrôlent la collecte et l'exploitation des données que nous produisons chaque jour. La gouvernance et la régulation des données représentent à cet égard un enjeu démocratique majeur et les États n'ont pas le choix en réalité. Ils doivent trouver les moyens d'encadrer la production et l'utilisation des données sous peine de devenir au mieux captifs de ceux qui les auront devancés. Les données bouleversent également la gouvernance publique et les politiques publiques. Elles irriguent déjà toute l'action publique et ce mouvement n'a vocation qu'à s'accentuer. Une régulation par la donnée se développe, qu'il s'agisse de contrôler la qualité d'un produit ou d'élaborer des processus de benchmarking. L'efficacité des politiques publiques dépend de plus en plus de la quantité, mais aussi de la qualité des données dont disposent leurs auteurs, qu'il s'agisse par exemple de mieux cibler des contrôles douaniers, d'anticiper les besoins d'investissement dans les hôpitaux ou d'élaborer une politique de transport pertinente. Les pouvoirs publics
ont ainsi commencé à définir une véritable gouvernance de la donnée afin de mieux valoriser les données qu'ils produisent et détiennent pour les mettre au service, et c'est tout l'enjeu de leur mission d'intérêt général. Cette gouvernance nouvelle en construction, qui s'est par exemple traduite par la création d'un véritable service public de la donnée, doit là encore permettre de parer aux risques qu'emporte pour l'action publique l'avènement de la donnée. Ces risques concernent aussi les juges, et nous réfléchissons par exemple au Conseil d'État à la manière de concilier les intérêts indéniables de l'open data, des décisions de justice, avec la nécessité de construire et maintenir une jurisprudence à la fois évolutive, mais surtout hiérarchisée. Et cela passe avant tout par la maîtrise de nos algorithmes. Algorithmes qui bousculent dans leurs habitudes la juridiction administrative, comme les administrations. Le Conseil d'État réfléchit à cet égard à la manière d'adapter son contrôle de légalité pour appréhender l'usage des algorithmes dans la décision publique. Le juge devra en effet très prochainement être en mesure d'identifier les biais que ces algorithmes véhiculent et de les confronter au droit, notamment les principes d'égalité et de non-discrimination. Un usage renouvelé du contradictoire s'avérera sans doute nécessaire et les juridictions devront peut-être se doter d'une expertise scientifique, technologique propre pour préserver leur indépendance et leur impartialité. Mais je ne vais pas plus loin sur ce sujet que la deuxième table ronde explorera en profondeur. Les enjeux qui se cachent derrière le thème de ce colloque sont donc immenses et ce que je viens de mentionner suffirait à le démontrer. Mais je ne peux pas passer sous silence l'actualité, en réalité immédiate, brûlante en la matière, qui justifie d'autant plus notre conférence d'aujourd'hui. Mardi dernier, le département de la justice américain a ainsi annoncé le lancement d'une procédure antitrust contre Google. Faisant écho aux poursuites diligentées en Europe par la Commission européenne, mais aussi d'autres autorités nationales depuis 2010, les autorités américaines reprochent à l'entreprise d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche. Et ces poursuites à l'encontre d'une entreprise qui incarne à elle seule les promesses, mais aussi les risques de la donnée, poursuites inédites outre-Atlantique, pourraient remodeler de manière très significative notre usage de l'Internet et être suivies d'une cascade de procédures visant les autres géants du secteur. Elle pourrait également conduire à un ajustement décisif et parfois souhaité du droit de la concurrence à l'économie numérique. Les réflexions sur ce sujet sont vigoureuses depuis quelques années, car l'économie des plateformes numériques et des données interroge notre approche du droit de la concurrence. Quid, par exemple, de la notion de marché dans des champs où les frontières évoluent à grande vitesse et surtout où ces frontières sont particulièrement poreuses compte tenu des interdépendances qui se nouent autour de l'échange et de l'exploitation des données collectées. Comment appliquer et même réévaluer le prisme du bien-être du consommateur qui est la boussole des autorités de la concurrence, un consommateur que l'on pense sensible à la fois au prix et à la qualité. Dans des marchés bifaces où l'on propose aux consommateurs la gratuité et où la protection des données personnelles n'est pas toujours ressentie par le consommateur comme un élément intrinsèque de la qualité du service rendu. Comment définir un droit de la concurrence qui limite les barrières à l'entrée tout en favorisant l'accès, la portabilité ou l'interopérabilité des données collectées par les opérateurs dominants, sans pour autant, bien sûr, freiner l'investissement et l'innovation dans la production et la valorisation de ces données. Faut-il un droit des concentrations et des règles de preuve spécifiques ? La Commission européenne s'est activement engagée dans ce chantier consistant à adapter notre droit de la concurrence et plus largement notre cadre réglementaire aux évolutions du numérique. Sa stratégie a été dévoilée en février. De nombreux avis ont été recueillis dans le cadre de la confection d'un livre blanc sur l'intelligence artificielle et une large consultation est encore
en cours sur sa stratégie pour les données. Il s'agit pour l'Union de créer un environnement juridique propice à l'innovation et à la croissance des entreprises européennes. Car l'Europe, et on en sera sûrement d'accord, doit devenir plus attractive sur les marchés des données et rattraper le retard qu'elle a déjà accumulé sur les États-Unis, mais bien sûr aussi sur la Chine. Et pour cela, elle a besoin d'investissements, elle a besoin de formation, elle a surtout besoin de règles. Et ce colloque intervient donc au bon moment et sera l'occasion de réfléchir sur l'encadrement juridique de l'économie des données. Étant entendu qu'en la matière, les règles générales ne sauraient suffire, car les spécificités des marchés concernés appellent des déclinaisons particulières et, le cas échéant, une régulation sectorielle propre. La sensibilité de certaines données, par exemple en matière de santé, impose évidemment un équilibre plus protecteur qu'en matière de commerce électronique. Dans les secteurs du transport, ce sont les enjeux d'interopérabilité qui sont prépondérants. On pourrait multiplier les exemples qui montrent à quel point les réponses aux questions 1. Qui recueille ? 2. Quel type de données recueille-t-on ? Et 3. Quelles garanties sont nécessaires ? Varient fortement selon les activités considérées. Ce qui complique la donne et implique que nous nous interrogions non seulement sur l'articulation entre principes généraux et règles spécifiques, mais aussi sur l'architecture institutionnelle la mieux à même de les mettre en œuvre efficacement. Quoi qu'il en soit, le marché n'est pas tout, et c'est l'un des grands mérites de ce colloque d'aborder la question des données sous l'angle non seulement de l'économie, mais aussi celui des droits et libertés fondamentaux. Car l'économie numérique a besoin de la confiance des citoyens et des consommateurs pour fonctionner, et les risques pour les droits et libertés vont croissant à mesure que notre vie se numérise. L'actualité en la matière ne manque pas non plus. Je ne pense pas seulement à la crise sanitaire qui va de pair avec un développement plus rapide encore des usages que nous faisions du numérique et à l'arrivée prochaine de la 5G qui va multiplier la quantité de données collectées et ne manquera pas de susciter de nouvelles interrogations, notamment sur la notion de données personnelles lorsque celles-ci émaneront d'objets connectés. Je pense surtout à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, l'arrêt Schrems II, par lequel la Cour a invalidé le dispositif de Privacy Shield qui encadrait jusqu'à présent le transfert des données personnelles vers les États-Unis. Comme après l'arrêt Schrems I, l'Europe est plongée dans l'inconnu et doit impérativement se remettre à l'ouvrage pour élaborer un dispositif plus protecteur des citoyens européens. Et ce dispositif pourrait d'ailleurs servir de modèle à celui que nécessiterait un Brexit sans accord, car le Royaume-Uni, qui est à ce jour peut-être l'État européen le plus actif et le plus puissant dans l'économie des données, se retrouverait alors dans la situation d'un pays tiers, où l'on voit toute la difficulté pour l'Europe de concilier sa volonté d'être et de demeurer un espace protecteur pour les droits et libertés, tout en s'imposant comme un acteur majeur sur la scène numérique. L'arrêt La Quadrature du Net, rendu le 6 octobre dernier, est tout aussi important, surtout en ce qu'il porte sur la question du stockage des métadonnées. Sauf les exceptions laissées entrouvertes en matière de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme, le cadre juridique qui en découle apparaît restrictif. L'accès en flux, c'est une question. Est-il tout ce qu'il reste pour les poursuites administratives et judiciaires ? Quid de l'effectivité des enquêtes et de l'intérêt général qu'il y a à réprimer les infractions de toutes sortes ? Sur tous ces points, le Conseil d'État entend jouer un rôle de premier plan et c'est pourquoi j'attache une importance particulière au partenariat que nous avons noué avec la chaire Gouvernance et Régulation de l'Université Paris-Dauphine. Le Conseil d'État est en effet aux prises avec les questions que pose le développement de l'économie des données dans le cadre de ses trois fonctions. Mardi dernier, encore dans cette salle,
le Conseil d'État a examiné en commission permanente le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Et parmi les dispositions de ce texte, il y en avait certaines, vous le savez, cela a été annoncé, relatives à la collecte ou au stockage des données relatives à la crise sanitaire. Au contentieux, la jurisprudence du Conseil d'État est déjà riche et a vocation à s'étoffer toujours plus en matière de numérique. D'importantes décisions ont été rendues récemment. Que l'on pense à la série d'arrêts du 6 décembre dernier, précisant le mode d'emploi du droit au déréférencement. Je pense aussi à la décision plus récente du 19 juin 2020 par laquelle le juge a validé la sanction de 50 millions d'euros prononcée par la CNIL à l'encontre de Google pour n'avoir pas mis à même les utilisateurs de son système d'exploitation Android de donner un consentement libre et éclairé au traitement de leurs données personnelles aux fins de personnalisation des annonces publicitaires. Je pense encore à l'ordonnance du juge des référés pendant cet été, le 26 juin dernier, qui a ordonné à la commune de Lys de cesser l'usage des caméras thermiques qu'elle avait déployées dans une école pour lutter contre la prorogation du coronavirus. Non pas que le Conseil d'État s'est opposé aux caméras thermiques, mais celles-ci qui fonctionnaient en permanence et d'ailleurs sans information des utilisateurs des locaux, conduisait de facto à collecter des données de santé sans le consentement des personnes concernées. Enfin, je pense bien sûr à une affaire qui a fait pas mal de bruit, l'ordonnance du juge des référés, toute récente, rendue à propos de la plateforme Health Data Hub, qui, je le dis très clairement ici, ne peut être lue et comprise qu'à l'aune de l'office du juge des référés liberté, car c'était le terrain choisi par ceux qui ont saisi le Conseil d'État, qui ne peut agir que lorsqu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le droit à la protection des données est une liberté fondamentale, et là il s'agissait de savoir si l'architecture, en quelque sorte, et les contrats passé notamment avec Microsoft, permettait de parer efficacement au risque de transfert des données vers les États-Unis. Et c'est un examen très attentif qu'a mené le juge des référés, qui n'a pas constaté en l'état de transfert et donc d'atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, mais a adressé des injonctions pour préciser, sécuriser le contrat et tracer le chemin, notamment en liaison avec la CNIL, pour être sûr que ce risque sera efficacement prévenu. Le Conseil d'État s'est enfin intéressé depuis longtemps aux enjeux du numérique dans le cadre de sa fonction d'étude, à laquelle je tiens beaucoup. Et il est ainsi à l'origine de trois rapports pionniers. Le premier, en 1998, consacré à Internet et aux réseaux numériques. Le deuxième, en 2014, consacré au numérique et aux droits fondamentaux. Et le plus récent, en 2017, dédié justement aux plateformes numériques et à l'ubérisation. Ces rapports étaient nourris de l'expérience accumulée par le Conseil d'État dans le cadre de ses fonctions consultatives et contentieuses, et les ont nourris en quelque sorte en retour. C'est l'exemple même d'une bonne intelligence collective partagée entre toutes les fonctions du Conseil d'État. Et la réflexion reste en cours, même lorsqu'un rapport n'est pas en préparation. Je me réjouis donc vraiment que le Conseil d'État accueille ce colloque, et je remercie une fois de plus tous les intervenants. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a aimablement accepté de clôturer, mais je crois par vidéo, la journée, et je tiens à lui exprimer, au nom du Conseil d'État, toute ma gratitude, et je cède sans plus tarder la parole au président Alain Fuchs. Je me réjouis de suivre vos travaux de cette journée qui, je n'en doute pas, seront fructueux, stimulants et nous donneront envie de nous réunir à nouveau, je l'espère, l'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le vice-président du Conseil d'État, madame la présidente de la section de l'intérieur du Conseil d'État, monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d'État, monsieur le directeur de la chaire gouvernance et régulation, cher Éric Brousseau, mesdames, messieurs les conseillers d'État, mesdames, messieurs les intervenants prestigieux de ces différentes tables rondes, je suis particulièrement content et d'être ici aujourd'hui avec vous. Ce colloque se tient enfin après quelques atermoiements liés aux conditions qui sont les nôtres dans notre vie courante aujourd'hui. Et c'est une très belle opportunité que nous puissions encore tenir ce genre de colloque-là, pourvu, si vous me permettez cette expression, pourvu que ça dure. Voilà. Les données sont souvent présentées aujourd'hui comme la clé de la création de valeur et comme porteuse de nouvelles dynamiques de croissance. Monsieur le vice-président l'a souligné dans son intervention. Elles permettent d'optimiser les ressources économiques disponibles, de renforcer la capacité à produire des services sur mesure et plus efficaces, et d'explorer de manière systématique les opportunités d'innovation. Cependant, la réalisation concrète des promesses de ce qui a pu être appelé l'or noir du XXIe siècle impose la mise en œuvre de cadres institutionnels appropriés. Vous l'avez bien souligné, Monsieur le Président. En effet, la donnée n'existe pas à l'état naturel, c'est une évidence. Elle n'est engendrée par les utilisateurs ou les opérateurs de l'économie qu'en fonction des usages et des appropriations de valeurs dont ils peuvent bénéficier. Pourquoi, par exemple, accepter de révéler le détail de ces usages à travers un terminal intelligent si aucune amélioration de service ou aucune baisse des coûts n'est proposée en contrepartie? Par ailleurs, la donnée n'a de valeur que dans la mesure où elle peut être qualifiée, authentifiée, rendue interopérable avec des données complémentaires. Enfin, l'exploitation effective des données requiert des compétences rares au regard des masses à traiter et des investissements considérables, non seulement pour produire des algorithmes, on l'a mentionné à l'instant, mais aussi pour adapter les infrastructures, les processus et les organisations afin de produire puis de partager la valeur obtenue à partir de ces données. L'exploitation des données suppose donc des efforts de clarification, de concertation, de normalisation et, le cas échéant, de régulation en matière de méthodes de production et de conservation des données, des règles de partage et d'accès à ces dernières, d'élaboration des principes qui doivent guider leur traitement, de création des régimes d'appropriation et de partage des fruits de leur exploitation. Les données personnelles, évidemment, constituent une dimension essentielle de la problématique. Elles sont, d'une part, une source de création de valeur potentiellement très importante, puisqu'elles sont la clé de services sur mesure pour les utilisateurs. D'autre part, elles permettent aux opérateurs économiques de s'approprier une large partie de la valeur créée, en particulier parce que les services personnalisés deviennent difficilement comparables en matière de prix ou de qualité, et que ni les utilisateurs ni les autorités en charge de la concurrence ne disposent de références pour s'assurer que les conditions de service sont loyales. Cependant, il convient aussi de se pencher sur les données non personnelles. Ces données issues de capteurs ou de systèmes de gestion sont le second moteur essentiel de la transformation numérique. Elles permettent une analyse systématique du fonctionnement des organisations, des dynamiques collectives, des mécanismes de transmission dans les systèmes complexes, ouvrant la voie à des décisions fondées sur une évaluation précise des performances et de leur explication, ce qu'on appelle « evidence-based strategies » ou « policies ». Les régimes d'accès et d'utilisation des données sont susceptibles d'avoir des effets très importants sur la concurrence, du fait des avantages compétitifs irréversibles bénéficiant aux primo-accédants. Les données sont en effet le fondement de l'apprentissage algorithmique, à l'origine de nombreuses dimensions de la disruption numérique. Elles peuvent aussi avoir d'importants effets distributifs, puisque leur manipulation permet de jouer sur la répartition des gains de productivité de la transition numérique entre l'offre et la demande, et entre les différents acteurs de l'offre. Dans la lignée des travaux menés sur le numérique, tant au sein du Conseil d'État que dans le cadre de la chaire gouvernance et régulation, il apparaît donc pertinent de revenir sur la gouvernance et la régulation des données. Il importe notamment de discuter des initiatives qu'il serait souhaitable de prendre, tant sur le plan national qu'européen, en tenant compte de l'importance du jeu des acteurs privés
et du caractère aterritorial de nombreuses dimensions de la gestion des données et des algorithmes dans la capacité à prendre des mesures effectives. Le colloque est organisé autour de 4 tables rondes réunissant des juristes universitaires, des magistrats, des représentants des institutions impliquées dans la régulation et les politiques publiques sur les données, des universitaires travaillant sur les enjeux du numérique ou spécialistes du numérique et des acteurs de l'économie numérique. Je salue encore une fois les intervenants de ces tables rondes qui sont tout à fait prestigieux et je les remercie de consacrer du temps à ces débats et à ces tables rondes. Deux axes de travail permettront d'organiser cette journée de réflexion. La question de la protection des droits, d'une part, celle de la promotion de l'intérêt général et de la concurrence, de l'autre. Sur ce sujet, des débats doctrinaux sont menés, en demeurant parfois éloignés des expérimentations en cours. Ces dernières évoluent par ailleurs rapidement du fait du rythme de l'évolution technologique et du foisonnement d'innovations institutionnelles et commerciales. L'un des objectifs de cette journée de réflexion sera d'opérer un effort de réflexion sur ces pratiques émergentes pour les faire dialoguer avec les grands principes juridiques dont le Conseil d'État est, parmi d'autres, le gardien. Il s'agit aussi de permettre aux chercheurs impliqués dans le développement de l'intelligence artificielle, et ils sont nombreux au sein de l'université PSL, impliqués notamment dans le projet Prairie d'intelligence artificielle, de développer un effort réflexif sur les enjeux de leurs travaux en matière de gouvernance collective. Ces chercheurs représentent aussi des compétences clés pour contribuer au développement d'institutions et d'outils adaptés aux potentialités et aux spécificités du monde numérique. À la croisée des décisions publiques et des développements techniques, l'université PSL pour Paris Sciences et Lettres, dont Dauphine est un des établissements composants et pas le moindre, l'université PSL dispose également, à travers ses chaires partenariales ou ses instituts thématiques, de plateformes permettant de réaliser ces interactions entre des mondes qui ne se parlent pas toujours, soulignant combien l'université et singulièrement les nouvelles universités de recherche, comme le PSL, peuvent et doivent être des outils au service de l'intérêt général et du pilotage de nos collectivités face aux grands défis que sont le numérique, mais aussi, évidemment, le changement climatique ou encore la cohésion économique et sociale. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent colloque gouvernance et régulation des données. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Président. Et donc, il est 10 heures, le temps de ouvrir la première table ronde. Et je cède la place à Sylvie Bach et aux 4 intervenants qui vont animer cette table ronde et je les remercie une nouvelle fois. Bien, je suis très heureuse d'ouvrir cette première table ronde de la journée et d'accueillir Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, Roch-Olivier Mestre, président du CSA, M. Thierry Vedel, qui est enseignant, chercheur à Sciences Po et au CEVIPOF, et normalement, si les choses se passent bien, Monsieur Battesti, qui est responsable des affaires publiques de Facebook et qui doit nous rejoindre par visioconférence. Bonjour, monsieur. Vous voilà. Bonjour. Parfait. Bonjour, mesdames et messieurs. Je ne vous vois pas, mais j'espère que vous me voyez. On vous voit, on vous entend. Et je vous vois. Voilà, vois. Ça y est. Parfait. Voilà, la liaison est établie. C'est parfait. Parfait. Alors, la manipulation des données individuelles, c'est le titre de cette table ronde qui ouvre le colloque sur un sujet en vérité assez complexe parce que la notion de manipulation de données individuelles n'est pas, je dirais, ne s'éclaire pas immédiatement d'elle-même.
Et c'est un sujet grave parce qu'il porte sur la protection de la vie privée, de l'intime, comme sur la protection des fondements des sociétés démocratiques. Sur ce sujet, s'est opérée à la suite d'événements récents et, il faut dire, récurrents, une prise, je crois, de conscience des conséquences inquiétantes que porte en elle-même l'économie des données personnelles. On sait que l'extraction et l'exploitation de données sur les comportements individuels des internautes et leur revente à des tiers, notamment, bien sûr, aux annonceurs, mais pas seulement, est la clé de voûte du système économique des géants du numérique. Ce que nous lisons en ligne, ce que nous commentons, ce que nous achetons, là où nous aimons aller chercher des nouvelles, constitue un nuage d'informations collectées à partir de l'accès à notre terminal personnel par l'intermédiaire de traceurs qui suivent nos déplacements sur le réseau. Ces informations sur notre personnalité, certains disent même sur notre esprit, et que nous fournissons de manière active et apparemment de notre plein gré, sont laissées brasser, travaillées par des algorithmes et croisées avec d'autres données complémentaires, exploitant les sources accessibles sur Internet ou simplement observant les comportements sur la toile. Ce travail de l'ombre, le plus souvent invisible, permet de dessiner nos profils d'utilisateurs de manière maintenant très fine et de plus en plus fine grâce à l'augmentation continue de la puissance des ordinateurs, de même que celle de la vitesse des capacités des réseaux de transport de données. Il permet aujourd'hui d'extraire une sorte de surplus comportemental qui attribue à la donnée d'ailleurs sa grande valeur. Cette sophistication de plus en plus grande du profilage est liée au basculement, il y a plus d'une décennie, on le sait, vers la publicité personnalisée à l'échelle de l'individu. Alors l'exploitation du profilage peut permettre une amélioration, bien sûr, du service rendu aux utilisateurs, notamment en facilitant leurs choix ou en permettant des rapprochements avec des groupes affinitaires. Mais elle permet aussi, et surtout peut-être, d'influencer les comportements d'achat, les opinions, les émotions, de conduire l'utilisateur ou le citoyen vers des décisions qu'il n'a pas nécessairement souhaitées, bridant ainsi son libre choix et l'autonomie de sa volonté. Et au-delà même de la recherche d'influence, et la frontière n'est pas d'ailleurs toujours facile à tracer entre influence et manipulation, l'actualité de ces dernières années a fourni des exemples d'organisations de véritables manipulations à partir de l'exploitation ou de l'exposition de données. Si bien d'ailleurs que certains chercheurs ont pu parler de datapulation, manipulation de la data. Les techniques sont nombreuses, elles sont variées. On retiendra surtout celles qui sont intervenues dans le domaine de l'information, par la diffusion de fausses informations diffusées dans le but de nuire, par le filtrage d'informations, par la diffusion d'informations tronquées, avec bien sûr aussi l'affaire Cambridge Analytica, sur laquelle peut-être que M. Battista reviendra. Plus de 26 millions de comptes de personnes profilées sur Facebook et repérés comme influençables aux tests du candidat Trump en 2016, les faux comptes russes pendant cette même campagne qui ont abouti à une véritable manipulation de masse. La manipulation peut aussi résulter du vol de données identifiantes qui permet des usurpations d'identité, de l'identité numérique d'un individu, donc qui permet des manipulations en se faisant passer pour quelqu'un que l'on n'est pas, et en procurer éventuellement un certain nombre d'avantages. Enfin, bien sûr, je ne peux pas ne pas évoquer le fait que les fonctionnalités affinitaires et la viralité des réseaux sociaux peuvent aussi être exploitées pour provoquer, par la diffusion de messages, des comportements, par la diffusion de messages, certains types de comportements, ou manipuler vraiment des individus, comme nous venons d'en avoir une démonstration insupportable il y a une semaine. Alors, pour combattre ces dérives, un certain nombre d'instruments de protection majeurs ont été mis en place ces dernières années. Bien sûr, la directive sur la protection des données de 1985, le RGPD de 2016. En France, les lois du 22 décembre 2018 sur la lutte contre la manipulation de l'information. La loi du 22 juin 2020 sur la lutte contre les contenus haineux, ou ce qu'il en reste, on y reviendra peut-être, et puis bien sûr, tout l'appareil des recommandations et de la régulation opérée par la CNIL et par le CSA. La protection des données personnelles, on le sait, elle est fondée sur un certain nombre de principes essentiels, licéité, loyauté, transparence dans la collecte des données, minimisation, sécurité, et surtout, bien sûr, c'est
le consentement de la personne à l'utilisation de ces données. Mais ces protections appellent, je crois, un certain nombre d'interrogations que nous partagerons sans doute aujourd'hui autour de la table. La première, c'est de savoir si ces protections sont bien connues et les droits qui s'y attachent sont bien connus et sont réellement exercés. La première des protections est sans doute de connaître les droits dont on est bénéficiaire. Est-ce que c'est aujourd'hui véritablement le cas ? Sur le consentement, qui est une sorte de graal au fond de la protection des données personnelles, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet que la présidente de la CNIL connaît bien, les barrières rencontrées sur les sites permettent vraiment d'exprimer un choix ? Le consentement n'est-il pas le plus souvent davantage abandonné que donné ? Les interfaces sont-elles toujours loyales ? Deuxième questionnement sur ces protections, elle concerne la transparence sur les méthodes mêmes d'exploitation des données, le travail de l'ombre, qui reste très largement à faire, de même que celle sur le fonctionnement même du marché des données. Y a-t-il des exigences nouvelles à formuler ? Lesquelles ? À quel niveau ? Avec quel type de contrôle ? Enfin, si les plateformes se sont engagées sous la pression d'affaires qui ont frappé l'opinion à mettre en place des mécanismes de contrôle pour détecter les manipulations, les prévenir ou les neutraliser, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette autorégulation ? Les plateformes sont-elles d'ailleurs légitimes à assurer seules la conciliation entre liberté d'expression et protection des publics ? C'est évidemment une question tout à fait au cœur de l'actualité et sans doute aussi de cette journée en raison la proximité de l'adoption par l'Union européenne, enfin, dira-t-on, d'une législation globale destinée à réguler l'espace numérique et informationnel, pour reprendre l'expression du commissaire Thierry Breton dans une interview intéressante qu'il a donnée hier au journal Le Monde. Évidemment, pas d'angélisme. Il sera difficile de parer à toutes les manipulations, mais comment et peut-on envisager qu'une coopération loyale de tous les acteurs permettent en tout cas d'y parer, de les prévenir, voire de les neutraliser, comme je le disais. Toutes ces questions, nous les aborderons dans la table ronde et je vais maintenant, et en premier lieu, puisque M. Battesti doit nous quitter pour une réunion importante qui concerne la lutte contre le terrorisme et l'engagement des réseaux sociaux dans ce combat, nous quitter donc aux alentours de 10h45, lui passer la parole, notamment sur les questions des décisions prises par Facebook pour remédier aux manipulations observées sur ces réseaux. Monsieur Battesti. Merci beaucoup. Je vais vous donner un panorama en quelques minutes des sujets qui nous sont, voire reproches, qui nous sont parfois adressé. Déjà, je voudrais revenir sur la question de, quand on parle de données, de produits, du temps passé. Il nous est souvent indiqué qu'on souhaite que les gens passent le plus de temps possible sur la plateforme et c'est comme ça finalement que le business ne peut que grandir. J'aimerais apporter un bémol sur ce point. Ce qu'on essaie surtout de développer, c'est du temps utile sur la plateforme et sur un réseau social. On va venir sur les questions algorithmiques et donc après sur d'autres questions. Sur le réseau social, ce qui est important, c'est que vous soyez content de ce que le réseau social doit vous apporter, c'est-à-dire en général les interactions avec vos amis et avec votre famille, et pas forcément d'avoir la énième vidéo virale qui ne vous intéresse pas. Et donc oui, des modifications, j'y reviendrai algorithmiques, sont apportées pour essayer de vous d'avoir un produit plus personnalisé et je pense plus en phase avec vos attentes, mais j'aborderai bien sûr les questions de contrôle. J'entends souvent aussi, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors, là encore, c'est une phrase choc, bien sûr, qui a le mérite de poser le débat. Mais là encore, parce que je vais aussi parler de publicité, et c'est comme ça d'ailleurs que des mécanismes d'influence ont pu se développer, je vais y venir tout de suite. On ne vend pas de données personnelles à des annonceurs. Et nous serions même bien stupides de le faire, parce que ce n'est pas comme ça que finalement un business model autour de la publicité et de l'expérience publicitaire peut se construire. Les plateformes, je parlerai de Facebook, permettent aux publicitaires d'accéder à des audiences. Et donc, on ne donne pas des listings de noms personnalisés avec vos goûts et vos préférences à Coca-Cola ou à L'Oréal.
ce qu'on leur permet, ce qu'on leur dit, c'est dire voilà, on construit une audience qui vous intéresse et on va. Qu'est-ce qu'on vous vend ? C'est-à-dire, c'est pas les données qu'on vous vend, c'est on vous vend une capacité à pouvoir toucher l'audience qui vous intéresse. Et effectivement, pas se mentir, grâce aux données personnelles et à la révolution digitale, on peut aujourd'hui avoir des audiences très affinées. Quand vous êtes une marque qui voulait toucher qu'une certaine tranche d'âge, gens qui habitent à tel endroit et qui s'intéressent, j'y reviendrai, à telle ou telle catégorie de produits, grâce aux likes qu'ils ont pu faire sur la plateforme, voire à du surf en dehors de la plateforme, vous pourrez les atteindre. Et donc, c'est une différence, mais qui est tout à fait fondamentale et qui n'est pas toujours bien comprise, peut-être parce qu'on ne l'explique pas assez. En tout cas, il est important de le dire. La question des algorithmes dans tout ça joue un rôle, puisque dans votre fil d'actualité Facebook, le fil d'actualité Facebook, c'est comme une route. Et donc, s'enchaîne sur cette route la publication de vos amis, quelqu'un de votre famille. Et puis, au milieu de tout ça, il y a une publicité qui doit, bon, parce que c'est ainsi, hein, être proposée. Et puis, il y a peut-être une vidéo, etc. etc. Et par ailleurs, il y a les pages d'actualité. C'est-à-dire, si vous avez décidé d'aimer la page du Monde, du Figaro ou de Libération, eh bien, leur contenu doit aussi arriver dans le fil d'actualité. Et donc, l'algorithme n'a rien de, je dirais, de malicieux en tant que tel ou de gentil en tant que tel. Il est conçu pour être, pour créer des arbitrages entre ce qui vous est présenté ou pas présenté. Alors, comme c'est une expérience personnalisée, c'est vrai, et il y a des vidéos qui l'expliquent, et même littérature à ce sujet, qui expliquent que les personnes que vous commentez le plus, que vous likez le plus, avec qui vous discutez le plus, auront tendance à se retrouver plus régulièrement dans votre fil d'actualité. On me dit souvent, mais ça fait, je suis ami avec un tel sur Facebook, et ça fait 6 mois que je ne vois plus aucun contenu de cette personne. Mais on pourrait aussi dire, ça fait aussi 6 mois que vous ne parlez plus au téléphone, ou voilà. Donc, quelque part, de manière très imparfaite, souvent même, l'expérience numérique reflète aussi votre expérience sociale avec votre groupe social de tous les jours, qu'il s'agisse d'amis, famille, ou collègues. Et la question des manipulations, je ne veux pas être trop long, elle est au confluent de tout ça. C'est-à-dire que l'outil publicitaire, qui est un outil marketing très puissant, qui en plus a permis à des entreprises qui n'avaient pas accès à la publicité d'y avoir accès. Donc quand on se développe en tant que restaurateur, coiffeur ou start-up, on a besoin de la publicité, je pense, ont eu accès à des outils publicitaires à moindre coût pour se développer. Mais aussi, bien sûr, les grandes marques. Et, il faut le dire, un certain nombre, je dirais, d'activistes, de personnes qui, ou d'organisations qui défendent des causes, ont aussi accès à ces outils de campagne qui leur permettent donc de promouvoir leurs idées. Ce qu'on a pu voir, je pense que ça a éclaté avec l'élection de Donald Trump il y a 4 ans. Donc on est quelque part dans un timing intéressant. C'est que le ciblage publicitaire fait que les gens qui ne sont pas ciblés par cette publicité, ne voient pas cette publicité. Et donc, un certain nombre d'acteurs malfaisants, étrangers, d'après ce qu'on sait, ont pu comprendre, mais pas que, hein, ont pu comprendre qu'ils pouvaient utiliser ces outils pour se dire quelque chose qu'en matière de campagne électorale, il y a une révolution, de se dire, on parle surtout des États-Unis, mais je reviendrai pour la France et l'Europe. Oh là là, mais c'est formidable, parce qu'avant, on distribuait des tracts dans la rue comme ça, sans savoir vraiment qui sont les gens. Là, on peut agir de manière plus ciblée. Et en plus, au milieu de tout ça, c'est rajouté la question de l'affaire de Cambridge Analytica, c'est-à-dire du vol de données d'applications qui a permis de constituer ces bases de données et qui ont pu être utilisées. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux fondamentaux qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Il y a la question de transparence et de responsabilité. On a parlé de consentement. Le consentement, c'est un outil très important, c'est un outil légal extrêmement puissant, mais encore faut-il savoir sur quoi les personnes consentent. Et donc, c'est un enjeu pour nous de faire ce qu'on appelle on dit en anglais un consent flow, donc un chemin de consentement qui explique bien aux personnes quand elles s'inscrivent, mais aussi après, quand il y a des nouvelles fonctionnalités, à quoi elles consentent. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander un consentement général pour tout, ça n'a plus aucun sens et et c'est même plus, je pense que le RGPD attend de nous maintenant depuis 2 ou 3 ans.
Mais ça, c'est a priori. A posteriori, on doit mettre aussi en place des outils, parce qu'on est là, on parle d'une plateforme technologique, qui vous permet de dire, attendez, moi, j'ai consenti un certain nombre de choses. Maintenant, j'ai cette histoire de publicité ciblée, je ne sais pas trop, etc. Donc, vous devez avoir des outils qui vous permettent, non pas de supprimer la publicité, parce que le service est financé comme ça, mais de contrôler l'expérience publicitaire. Et de savoir pourquoi vous êtes dans cette audience. Je vous invite à le faire sur une publicité, vous pouvez le voir. Pourquoi je suis ciblé? Ça ne me convient pas. Moi, je ne m'intéresse pas au sport, ces choses-là. Je parle pour moi. Donc, je ne veux plus faire partie de ces audiences. Donc, je vais contrôler cette expérience. Et je ne veux plus être suivi quelque part en dehors de Facebook pour que l'expérience publicitaire soit affinée. Donc, là aussi, on vous donne l'outil pour le faire. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose en matière démocratique et électorale, ce qui a été construit et amené rapidement en France, et le CSA, je sais, a travaillé sur ce produit, c'est en matière de transparence, c'est la bibliothèque publicitaire. C'est de dire maintenant, toutes les publicités qui sont là pour promouvoir des idées ou des causes d'intérêt général, des causes sociétales, vont aller dans une bibliothèque publicitaire. Donc, on saura qui fait de la pub, sur quel sujet, quel type de budget sont engagés, avec quel type d'audience éventuellement ciblée, etc., etc. Et donc, des choses qui pouvaient passer sous le radar ne doivent plus passer sous le radar et sont accessibles publiquement aussi bien à régulateurs, c'est ça, aussi bien des journalistes ou à des experts académiques qui peuvent regarder ce qui se passe et venir aussi nous demander des comptes. Parce qu'on en vient sur le deuxième point, la accountability, on dit en anglais, mais la responsabilité. Et c'est ça aussi qui est au cœur des mesures et des accords qui ont été pris avec la FTC aux États-Unis. Donc, c'est aussi une amende de 5 milliards, certes, mais c'est principalement, j'ai envie de dire, des rapports trimestriels avec un board indépendant qui sont signés par notre CEO, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a eu un chemin, je dirais, depuis une période 2014, 2015, 2016, où un certain nombre de problèmes étaient là et des gens ont abusé de ces faiblesses ou de manque, en tout cas, de précision dans ce type d'action pour faire des affaires comme Cambridge Analytica ou s'amuser avec l'outil publicitaire. Aujourd'hui, on peut espérer en tout cas que les choses sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus encadrées et on verra, l'élection américaine dans quelques jours est un test. Par exemple, une mesure très simple, on est dans la dernière semaine de l'élection bientôt. Là, on va interdire vraiment la publicité politique sur la plateforme pour éviter des phénomènes de manipulation à la dernière minute. On a aussi d'autres phénomènes qui consistent à essayer de tromper les gens pour leur dire qu'on vote tel jour, on ne vote pas tel jour, ou les démocrates votent tel jour, les républicains votent tel jour. Donc, je ne veux pas être trop long ici, mais il y a énormément de choses qui ont été faites, mais surtout avec l'idée que les choses doivent être beaucoup plus transparentes pour l'utilisateur, pour le régulateur ou les experts journalistes qui vont avoir avec ce que nous faisons, et surtout un accroissement de responsabilité. Alors, le RGPD aujourd'hui existe, et c'est tant mieux. Vous avez évoqué la question de la régulation des contenus. La loi Avia venait adresser ce point au niveau national, mais même si aujourd'hui elle a été diminuée par le Conseil constitutionnel, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des comptes à rendre en la matière, et cette semaine, nous étions au ministère de l'Intérieur pour cela après le tragique attentat de vendredi dernier. Et il viendra dans quelques mois une régulation européenne, le DSA, qui est probablement utile et nécessaire pour une régulation à terme des réseaux sociaux et des plateformes d'expression. Voilà. J'ai terminé, je ne voulais pas être trop long. Évidemment, s'il y a des questions, je suis là jusqu'à 11h, vous l'avez mentionné, et donc je m'excuse de partir plus tôt que prévu. Merci beaucoup. Je voulais juste aussi rappeler la règle de fonctionnement après une intervention, donc des échanges dans la table ronde, et puis ensuite on enchaînera sur les interventions suivantes. Au fond, ce que vous nous dites, c'est que les expériences des 3-4 dernières années ont conduit la plateforme dans laquelle vous êtes à prendre un certain nombre de décisions, de mesures, destiné à remédier à ce que vous avez observé, c'est-à-dire effectivement des phénomènes de manipulation, d'usage de votre réseau à des fins
malveillantes ou à des fins de tromperie, pour reprendre votre terme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il reste encore beaucoup à faire ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes aujourd'hui en capacité de mieux détecter ces manipulations ? Vous avez encore devant vous un certain nombre d'étapes, lesquelles, s'il y en a, au fond, est-ce que ou est-ce que c'est un phénomène aussi, on peut le comprendre, un peu d'apprentissage, je dirais, au fil du temps, parce que vous devez aussi réagir à un certain nombre de phénomènes que vous observez sans peut-être pouvoir toujours avoir plus la faculté de les anticiper précisément. Alors oui, c'est vrai qu'il faut procéder de manière empirique et être vraiment très humble vis-à-vis de la tâche. On parle d'un ensemble de services Facebook, Instagram qui regroupent en moyenne chaque mois 3 milliards d'individus et qu'il ne faut pas sous-estimer le facteur humain dans tout cela et que malheureusement la technologie ne peut pas tout régler. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment la course du gendarme et du voleur, c'est-à-dire que nous avons fermé les robinets sur certains nombres d'applications qui abusaient de nos plateformes, hein, puisque en fait le Facebook Connect, les applications sont à l'origine des dérives de Cambridge Analytica. Donc des mesures ont été prises, des poursuites même ont été engagées contre les développeurs d'applications. Donc je dirais qu'une fois qu'on a refermé ou du moins maîtrisé un front, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres problèmes qui se posent. Et le problème peut par exemple se déporter sur quelque chose qui est utilisé massivement par nos concitoyens, sur les messageries privées, les groupes WhatsApp, les groupes Messenger. Et donc là, il a fallu aussi prendre des mesures contre la propagation virale de fake news sur WhatsApp, en limitant la taille des groupes, en travaillant sur la question de repartage. Donc il y a vraiment travail, et c'est surtout un travail qu'on ne peut pas faire seul. Et on veut vraiment pouvoir travailler. Alors, le CSA est présent aujourd'hui, mais je le mentionne en particulier. Mais je pense avec toutes les autorités compétentes pour avancer sur ces sujets, parce que on ne peut pas y arriver tout seul. Sincèrement, il faut s'ouvrir plus à la recherche aussi. Enfin, il faut maintenant rentrer dans une phase où on sera beaucoup plus en cheville avec des personnes qui doivent nous surveiller, nous contrôler, bien sûr, c'est normal, mais aussi qui peuvent étudier ces phénomènes et qui peuvent aussi nous aider à avancer sur ces sujets. Donc pour moi, l'enjeu, là, il est là. Oui, monsieur. La CNIL, je ne vais pas l'oublier, bien sûr. Bien sûr, oui. Ce ne serait quand même pas de ma part. Non, après l'intervention d'Antoine Battesti, que je salue. Moi, ce qui me frappe sur ces sujets, c'est combien les opinions publiques mondiales ont évolué rapidement en quelques années. Le discours sur Internet qu'on entendait il y a quelques années sur cet espace merveilleux de liberté absolue, d'accès à la connaissance, d'espace démocratique, d'espace de dialogue, d'espace de liberté, c'est en réalité un discours qui est derrière nous maintenant. Les opinions publiques en Europe, c'est très frappant, sont en demande de régulation. Aux États-Unis, on voit que le débat est aujourd'hui très fort, à la fois sous l'angle antitrust, mais aussi sous l'angle de la régulation. La remise en cause éventuelle de la section 230 a été posée par le président américain. Sur le continent africain, moi je le vois avec le réseau des régulateurs francophones auxquels on appartient, ce débat est posé. En Océanie, après l'épisode de Christchurch, cette question a été fortement soulevée. Ceux qu'on ne supporterait pas une minute sur les médias traditionnels, précisément parce qu'ils sont régulés, on le supporte de moins en moins sur Internet. Et les opinions publiques sont aujourd'hui en forte demande d'une régulation de ce secteur. Et je crois que les plateformes, et l'exemple de Facebook est intéressant de ce point de vue-là, ont compris cette question, sont en initiative parce qu'elles voient bien que leur propre modèle économique peut être questionné si elles ne sont pas en initiative. La question qui est posée, c'est que ces plateformes, elles sont dans des situations quand même très, très inégales. Facebook a un modèle économique très, très puissant, on le sait, c'est une entreprise extraordinairement profitable. Elle a donc beaucoup de ressources pour développer des initiatives d'intelligence artificielle ou de modération humaine. Elle a pris beaucoup d'initiatives, vous en avez cité un certain nombre, Anton.
D'autres plateformes, je pense à Twitter, ne sont pas dans la même configuration, n'ont pas la même capacité économique. Et on voit bien une inégalité de situation qui fait que l'autorégulation ne peut pas être la réponse, je pense, à cette situation. On a un moment joué cette carte. L'Union européenne a joué cette carte avec le code de bonne conduite, mais on a bien vu les limites de cette autorégulation. Et donc aujourd'hui, il faut inventer autre chose, un modèle de régulation qui, par définition, j'en dirai un mot tout à l'heure, ne peut être que différent de celui qui est applicable aux médias traditionnels, parce qu'on est face à un phénomène de masse. Vous avez cité les 3 milliards d'abonnés au réseau Facebook et à ses différentes composantes, Instagram et autres. Donc il faut imaginer des process différents de régulation. Pardon, d'accord, pardon. Oui, c'est comme il y avait un bouton vert, j'appuie sur le bouton vert, comme quoi on est manipulé, c'est tout ce qu'on appelle le nudge en quelque sorte. Voilà, donc merci Madame la Présidente, merci au Conseil d'État et à l'Université Paris-Dauphine d'organiser ce colloque pluridisciplinaire et d'avoir invité la CNIL à s'exprimer. Avant peut-être d'essayer de dire quel est l'apport du droit à la protection des données, notamment pour lutter contre les manipulations, je souhaiterais peut-être revenir un tout petit peu sur les raisons pour lesquelles ces manipulations sont aujourd'hui possibles, parce qu'une bonne façon de les combattre, ou peut-être la meilleure, c'est d'être aussi conscient de ces manipulations. Et je vois trois logiques à l'œuvre, notamment, pour influencer les comportements individuels, même si j'ai bien noté, Madame la Présidente, que vous disiez qu'entre influence et manipulation, il y a naturellement une frontière qui est difficile à tracer. La première de cette logique que l'on connaît tous, c'est que l'on expose de façon démultipliée dans l'espace numérique nos données. On les éparpille tout à fait consciemment à travers les réseaux sociaux, parfois moins consciemment, dans la foulée de nos comportements de consommation, navigation, de mesures de performance. Je pense aux montres connectées qu'on peut porter, par exemple, pour faire du sport. Et de façon encore moins consciente, ces données génèrent des données inférées qui sont traitées par les opérateurs, qui sont déduites des données précédentes que je viens d'évoquer. Le deuxième phénomène, c'est que la technologie décloisonne les différents comportements de notre vie privée tout au long de la journée, ne serait-ce qu'à du fait de nos... Enfin, auparavant, ou quand on n'est pas dans l'espace numérique, nos déplacements, nos différentes positions géographiques, nos actes d'achat, par exemple, étaient isolés. Il y avait un flou, un halo protecteur, en quelque sorte, de la vie privée qui entourait tout ça. Maintenant, dans l'espace numérique, nos comportements sont chaînés. Ils sont décompartimentés à des fins de personnalisation de services ou de ciblage publicitaire, par exemple. On sait très concrètement, si vous avez votre téléphone portable sur vous, si vous êtes assis dans une voiture, si vous, en sortant de la voiture, on sait que vous sortez de la voiture et que vous n'êtes pas... Certains professionnels dans la salle qui le savent très bien, on sait que vous n'êtes plus assis, que vous êtes debout. Et naturellement, ça permet, quand vous allez être dans un centre commercial au troisième étage, au fond à droite, de vous pousser la promotion de l'enseigne devant laquelle vous êtes, parce qu'on sait que vous vous intéressez aux chaussures de sport qui sont vendues dans cette enseigne. Donc ça, c'est peut-être le deuxième facteur. Le troisième facteur, ce qui contribue à influencer certainement les comportements, c'est la capacité technologique démultipliée d'exploitation de ces informations, avec la massification des données, conjuguée à l'essor des techniques d'intelligence artificielle qui permettent un travail de combinaison, d'enrichissement de ces données qui, toutes seules, n'ont pas la valeur, évidemment,
qu'on leur accorde sinon aujourd'hui. Et je ne dis pas ça pour le critiquer. Il y a d'importants bénéfices qui sont attirés naturellement de l'intelligence artificielle dans le diagnostic médical, dans la prévention de catastrophes naturelles, dans la gestion même de crises sanitaires. Mais ces techniques comportent aussi des risques. Elles comportent des biais sur lesquels la CNIL a beaucoup travaillé, notamment en liaison aussi avec le défenseur des droits. Et même s'il y a naturellement des techniques pour protéger la vie privée, l'anonymisation des données, leur pseudonymisation ou d'autres, le fait qu'il y ait une intervention humaine dans ces processus, il faut être vigilant, mais je n'en dirai pas plus sur ce sujet puisque c'est l'objet d'une autre table ronde. Donc face à ces trois défis, la dissémination des données dans l'espace numérique, le chaînage de nos comportements et la capacité inédite d'exploitation de ces données, quels sont les moyens de protection ? Alors, le RGPD vise à le règlement général sur la protection des données, qui, comme chacun sait, est entré en vigueur en mai 2018, offre des outils de protection efficace face à ces menaces. Le principal objet du RGPD, c'est d'aider les individus à mieux contrôler leurs données, en leur donnant de nouveaux droits. Je pense par exemple à un droit qui est encore un peu trop conceptuel d'ailleurs, et sur lequel la CNIL va faire un colloque le 23 novembre, qui est le droit à la portabilité des données, le fait de pouvoir récupérer les données, ses propres données auprès d'un fournisseur de services, soit pour les garder, soit pour les transférer par exemple à un autre fournisseur. Mais fondamentalement, le RGPD y renforce deux exigences liées à un mot qui a été prononcé naturellement, qui est le consentement. Le consentement des individus au traitement de certaines données, puisque ce consentement constitue la base du traitement, de nombreux traitements de profilage à grande échelle, et puis également la transparence. Il impose des obligations de transparence à l'égard des personnes qui sont renforcées. Je donnerai juste quelques exemples que je développerai pas trop, mais peut-être plus tard dans la discussion, d'actions de la CNIL qui cherche justement à renforcer le caractère libre du consentement et la transparence. Sont d'abord nos actions en matière de ciblage publicitaire ou d'acceptation des cookies ou des autres traceurs face à un profilage de plus en plus détaillé et opéré par un nombre très important d'acteurs. La CNIL a le 1er octobre publié des lignes directrices et des recommandations qui visent à garantir une véritable liberté de choix aux internautes en leur donnant davantage de contrôle sur leurs données. Il y a naturellement la question des plaintes. Vous, Madame la Présidente, vous évoquiez le caractère plus ou moins effectif de ces droits. Alors, ça serait difficile de répondre de façon précise à cette question, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte augmentation des plaintes à la CNIL. Aujourd'hui, en tout cas, l'année dernière, nous avons enregistré plus de 14 000 plaintes, une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente, qui elle-même était en augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. Donc, en l'espace de 3 ans, on est passé de 8 000 plaintes à 14 000 plaintes. C'est un indice quand même de la sensibilité de ces sujets de protection de la vie privée pour le grand public. Et d'ailleurs, puisqu'on a la chance d'être avec le représentant d'une grande plateforme, je constate qu'il n'y a pas un produit qui est sorti, je caricature un peu, mais à peine, par les grandes plateformes, qui s'appelle pas privacy quelque chose, privacy box, privacy ceci, privacy cela. Donc c'est dire que ces sujets de protection de la vie privée, en tout cas, on voit que c'est un argument qui peut porter. Par ailleurs, le RGPD a permis aux autorités de régulation de l'ensemble de l'Union européenne de prononcer des sanctions qui sont beaucoup plus élevées potentiellement que celles qui existaient avant, puisqu'elles peuvent monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Et précisément, en janvier 2019, la CNIL a prononcé une sanction contre Google à hauteur de 50 millions d'euros. Précisément sur ces questions de transparence, ça a été évoqué par le vice-président du Conseil d'État dans son introduction. Et personnellement, je crois beaucoup, plus qu'au montant des amendes lui-même, d'une certaine façon, par rapport aux très grands acteurs, je crois davantage évidemment, il y a un risque de réputation pour les acteurs, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils prennent en compte, mais aussi à la capacité d'injonction, parce que ce qui compte, c'est pas simplement d'infliger une amende qui a en proportion des bénéfices ou du chiffre d'affaires d'entreprises aussi importantes est quand même tout à fait relative. En revanche, contraindre à la modification
d'un certain nombre de business models, quand c'est justifié, ça, ça peut avoir davantage de poids. Peut-être le deuxième élément sur les apports du droit à la protection des données dans la lutte contre les manipulations, c'est la question de l'encadrement des traitements de données sensibles. Massifs. Les données de santé ont été évoquées, naturellement. Je pense aussi aux données de caractère biométrique. En gros, le RGPD dit c'est interdit. Et puis, il y a des exceptions. Mais quand on nous dit mais vous avez des positions un peu moyenâgeuses, par exemple, sur la reconnaissance faciale, j'ai envie de dire, mais enfin, ce qui est curieux, c'est que c'est quand même le législateur européen et le législateur français qui, il y a 2 ans simplement, ce n'était pas le Moyen-Âge, ont décidé au contraire de renforcer les exigences en matière de protection des données biométriques, précisément parce qu'on voit à la fois, certes, toutes les potentialités que ces techniques peuvent apporter, mais également tous les risques qui sont induits par elles. S'agissant d'une donnée intrinsèque à l'individu qui est son visage ou d'autres caractéristiques qui, si elle est compromise, peut quand même avoir des conséquences en matière de libertés individuelles extrêmement importantes. Et donc, à ce titre, il y a des obligations fortes de sécurité, des analyses d'impact pour les traitements à risque élevé. Je ne donnerai qu'un seul exemple, mais peut-être aura-t-on l'occasion d'y revenir. Notre homologue anglais, l'ICO, vient de prononcer, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'est fait dans le cadre de la coopération européenne. C'est la première très grosse sanction prise par l'ensemble, en quelque sorte, des autorités de protection des données, mais évidemment à l'initiative de l'ICO, en matière de sécurité des données, qui est une sanction de 20 millions de livres à l'encontre de British Airways par rapport à des violations de données qui avaient affecté 400 000 personnes et qui avait rendu accessibles les données bancaires de 200 000 personnes. Et ça, la sécurité, c'est un élément absolument clé de la protection des données, et ça permet de lutter contre le détournement, justement, des données personnelles. Alors, pour être quand même un peu balancé, j'en viendrai peut-être, et ça sera mon dernier point, aux limites du droit à la protection des données, parce qu'on ne peut pas non plus attendre du RGPD que ce soit un instrument miracle, si tant est qu'il y en ait un qui existe, pour relever tous les défis qui sont abordés dans cette table ronde. Je vois 3 limites qui peuvent être mentionnées, qui sont des forces aussi parfois. C'est-à-dire que la première, elle tient à la plasticité des règles établies par le RGPD. Un cadre juridique unique et horizontal qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des traitements de données mis en œuvre sur le territoire européen. Donc des principes très souples. On en a vu d'ailleurs l'intérêt, on en voit l'intérêt naturellement compte tenu de l'évolution si rapide des technologies. Il faut que le RGPD puisse s'appliquer à cette évolution incessante. Et on en a vu concrètement l'intérêt aussi à l'occasion de la crise sanitaire. Le RGPD n'a pas empêché la mise en œuvre de traitements qui pouvaient être utiles à la gestion de la crise sanitaire tout en permettant leur encadrement et la protection des droits. Donc c'est une approche casuistique au cas par cas, des cas d'espèce, qui ne permet pas nécessairement d'affirmer des grands principes généraux, mais qui permet en tout cas une certaine souplesse. La deuxième limite, mais qui là aussi est une force du RGPD, et puisque ce colloque s'appelle gouvernance, je crois, et régulation des données, c'est la question de la gouvernance. C'est-à-dire que pour adresser les questions qui sont, enfin, les enjeux qui sont évoqués dans ce colloque, il faut le faire au bon niveau. Et le bon niveau, en tout cas pour nous, c'est quand même le niveau européen. Et de ce point de vue, pour avoir eu la chance d'être dans différentes autorités de régulation, c'est vrai que je n'ai jamais vu une coopération européenne aussi forte que celle qui existe maintenant, grâce au RGPD, entre les autorités de protection des données au sein d'un comité européen de la protection des données qui réunit toutes les CNIL européennes et qui permet non seulement d'harmoniser le droit en la matière, d'y contribuer par l'édiction de lignes directrices ou autres, mais aussi de traiter des cas transfrontaliers, des plaintes qui concernent les citoyens de différents États. J'ai cité l'amende de British Airways, enfin de l'ICO, notre homologue anglais à l'encontre de British Airways, qui a été pris dans le cadre de cette coopération, mais ne serait-ce qu'en 2019, il y a eu 79 cas qui ont été traités de cette façon. La CNIL a été impliquée dans 50 de ceux-ci, et on était l'autorité lead, entre guillemets, sur 10 d'entre eux. Mais
en même temps, ce mode de gouvernance, c'est vrai qu'on peut être moins rapide à 27 ou qu'on peut l'être seul. Et par ailleurs, il y a des traditions juridiques qui sont différentes, notamment entre nos pays latins et les pays anglo-saxons. Et c'est en tout cas l'intérêt de ce type de régulation d'essayer de les combiner. Enfin, le troisième point, ou la troisième limite peut-être du droit à la protection des données pour lutter contre les manipulations, c'est que il faut, en tout cas, on a parlé de l'exemple de Cambridge Analytica, certes, il y avait une question de traitement de données personnelles qui était à la base des dérives qui ont été constatées, mais ça a été dit aussi des fake news qui ont été déversées. Donc cela montre bien, et la présence de Roch-Olivier Maistre aussi aujourd'hui, que tout ça ne peut se résoudre, ou en tout cas essayer de le résoudre, que dans le cadre d'une interrégulation. C'est ce que nous faisons beaucoup. Entre le CSA naturellement et la CNIL, entre la CNIL et l'autorité de la concurrence, tant les questions maintenant de protection des données ont des effets concurrentiels, ça a été dit aussi par le président de l'Université Dauphine, qui sont importants, et d'autres naturellement régulateurs. En tout cas, la clé, je pense, c'est la convergence des régulations plutôt que le suivi de sillons régulatoires qui s'ignorent. Voilà très brièvement, ou peut-être trop longuement déjà, Madame la Présidente, comment la CNIL, en tout cas, conçoit de contribuer à la lutte contre ces manipulations. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair, qui à la fois est réaliste, qui à la fois donne confiance, puisque, au fond, il y a un certain nombre d'outils que la CNIL a mis en œuvre qui permettent de progresser dans la protection, mais en même temps avec les limites que vous avez donc indiquées sur la capacité de ces seuls outils à évidemment régler toutes les questions de manipulation des données qui peuvent se présenter. Moi, j'avais une première question sur les plaintes dont vous avez dit qu'elles avaient très nettement augmenté. Sur quoi portent-elles en général ? Y a-t-il des questions de protection qui sont plus davantage mises en avant par les internautes que d'autres, lesquelles est-ce que il y a des sur ce sujet, vous pouvez nous donner des éclairages? Oui, il y a en tout cas déjà deux grandes catégories de plaintes qui concentrent peut-être chacune au moins 15% des plaintes qu'on reçoit. C'est d'abord la partie marketing, prospection commerciale abusive, comme on peut s'y attendre. Et il y a une deuxième partie qui est peut-être un peu plus récente, mais qui n'est pas uniquement liée à la crise, qui est tout ce qui concerne la surveillance au travail, en fait. La vidéosurveillance, par exemple, dans les entreprises. Naturellement, aujourd'hui, avec le développement du télétravail, et la CNIL a mis sur son site, pendant le confinement, un certain nombre de conseils à l'égard des employeurs, notamment. Le fait de... C'est vrai qu'on peut être très intrusif pour savoir si les salariés sont connectés. Dans un autre genre qui nous éloigne du monde du travail, la CNIL a dû intervenir aussi au moment, par exemple, de la surveillance en ligne des examens de fin d'année. Pour les universitaires qui sont présents, c'est certainement quelque chose de parlant, même si on peut tout à fait comprendre la nécessité de ces dispositifs. J'ai en tête certains dispositifs qui obligeaient l'étudiant à montrer avec son ordinateur et sa caméra la pièce dans laquelle il composait, en quelque sorte, avec l'école concernée qui pouvait prendre la main sur l'ordinateur pour s'assurer qu'il n'allait pas consulter Internet pour avoir des réponses. Et j'en parlais incidemment avec le responsable d'une grande école qui me disait finalement la seule solution, c'est de mettre des... c'est de poser des sujets qui incitent à la réflexion. Et donc ça, c'est peut-être le bon côté de l'évolution. Mais voilà principalement les deux grands types de plaintes. Et puis après, nous avons des plaintes secteur par secteur. Mais les gens sont plus sensibles à leurs droits, le fait de pouvoir avoir accès à leurs données, de pouvoir demander à les faire rectifier notamment, ou le droit au déréférencement qu'évoquait le vice-président dans son introduction. Thank you.
de régulation de la tout ce qui est la lutte contre la manipulation des informations et ce qui est aussi ce qui reste hein, de la lutte contre les contenus haineux à ce titre va intervenir. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque. Monsieur le Vice-président de nous accueillir dans cette superbe enceinte. Et je salue le président de la chaire gouvernance et régulation de Dauphine à laquelle le CSA participe depuis de nombreuses années. Alors mon point de vue sera naturellement un peu différent de celui que vient de présenter Marie-Laure Denis. C'est le point de vue d'un régulateur sectoriel. C'est un régulateur qui est en grande transformation. Comme vous le savez, il régule les médias audiovisuels traditionnels, donc la radio, la télévision, les services de médias audiovisuels à la demande, mais ses compétences s'élargissent progressivement à de nouveaux acteurs, en particulier les plateformes de contenu et les réseaux sociaux. Et donc notre point de vue n'est pas seulement celui de la protection des données qui nous rassemble ce matin, mais c'est aussi celui de l'accès à la donnée qui est une condition essentielle pour avoir une régulation efficace dans ce nouvel univers. Donc j'évoquerai peut-être d'abord l'approche qui est la nôtre sur cette question de la protection des données, puis j'évoquerai les outils de lutte qui sont entre nos mains ou qui pourraient l'être prochainement. Sur les données, vu de notre point de vue, on a une position d'une certaine façon ambivalente, puisque notre mission traditionnelle est celle de la protection des publics. Donc on est de ce point de vue-là, et on dialogue souvent avec la CNIL sur la même position que la CNIL. C'est une mission traditionnelle du régulateur, notamment de protéger les jeunes publics. Mais en même temps, on voit bien que l'utilisation des données représente une opportunité croissante pour le modèle économique des médias audiovisuels qui sont appelés à se transformer sous l'effet de la transition numérique. Les données, on l'a évoqué depuis le début de cette table ronde, sont en quelque sorte le carburant de l'économie numérique et les médias audiovisuels sont bien évidemment directement intéressés. Alors, on en a une illustration très, très bonne, je dirais un peu emblématique, avec la publicité ciblée ou les publicités segmentées à la télévision qui vient d'être facilitée par un tout récent décret du 5 août 2020. Face à un marché publicitaire pour les médias traditionnels qui est très incertain, plutôt atone, voire en contraction, c'est une ressource qui peut permettre aux chaînes de revisiter leur modèle publicitaire, de repenser leur modèle en offrant aux auditeurs, en offrant, si j'ose dire, une plus grande affinité de la publicité à son auditoire. Et surtout, c'est un dispositif qui peut permettre à ces acteurs de lever des asymétries concurrentielles très fortes, puisque les régies publicitaires de ces médias seront en situation d'offrir aux annonceurs ce que seule la publicité digitale permettait à ce jour. C'est des ressources qui ne sont pas considérables, mais qui ne sont pas marginales à l'échelle de ces médias, puisque les estimations tournent autour d'un gain potentiel de l'ordre de 200 millions d'euros pour ces chaînes de télévision. Alors, bien évidemment, la publicité segmentée, ça suppose d'avoir accès aux données, à la taille, à l'adresse, à la composition socio-démographique du foyer, à l'historique de consommation, à le faire dans le cadre du RGPD que Marie-Laure a évoqué tout à l'heure. Et donc, la difficulté, c'était de trouver un équilibre entre ces deux impératifs contradictoires, une forte demande des médias audiovisuels d'avoir accès à cette opportunité économique nouvelle, et en même temps d'assurer une protection des données. Et c'est ce que le décret du 5 août a essayé de faire en fixant une limite horaire, donc pas plus de 2 minutes par heure de publicité segmentée possible, une obligation d'identification du message donc qui sera identifié sur les écrans de télévision et une interdiction autour des programmes pour enfants. Donc des précautions et des protections spécifiques. Mon second point, c'est effectivement en complément de ce que Marie-Laure a dit sur le RGPD, c'est d'imaginer effectivement d'autres dispositifs de régulation, des dispositifs sectoriels pour lutter contre les diverses manipulations touchant les données.
On en a une première illustration, effectivement, avec les manipulations de l'information qui peuvent conduire, on le sait, les États-Unis nous en donnent une belle illustration en ce moment, à des manipulations électorales, parce que les contenus présents sur les plateformes de contenu, les réseaux sociaux, peuvent être l'instrument de ces manipulations. Donc la France a fait une tentative de réglementation de, cette, de ce risque avec la loi du 22 décembre 2018 qui dessine un peu un nouveau modèle de régulation, j'y faisais allusion tout à l'heure, puisque c'est une loi qui met à la charge des opérateurs un devoir de coopération avec le régulateur, en l'occurrence le CSA, qui a pour mission de superviser des obligations de moyens mise en œuvre ou imposée à ces plateformes, et le régulateur doit en rendre compte donc, par un rapport public. Donc c'est une approche un peu différente. La régulation traditionnelle que nous mettons en œuvre nous permet de contrôler les contenus de façon directe. Quand M. Zemmour dérape sur une chaîne de télévision, le CSA est saisi et met en œuvre les dispositifs que la loi a prévus pour contrôler ces dispositifs. Mais on voit bien qu'avec des plateformes qui brassent des milliards d'informations et de données, on ne peut plus avoir cette approche contenu par contenu. Et donc, il faut imaginer un dispositif qui impose aux acteurs eux-mêmes une logique de responsabilisation, une logique d'obligation de moyens, avec un régulateur qui vient superviser la mise en œuvre effective par ces acteurs de ces obligations. Donc c'est ce qu'a fait la loi du 22 décembre, c'est une première tentative, elle nous donne un pouvoir de recommandation, donc on l'a mis en œuvre à la veille des élections européennes l'année dernière, donc le 15 mai 2019, dans lequel on invitait les opérateurs notamment à assurer aux utilisateurs la traçabilité des données exploitées à des fins de recommandation et d'hiérarchisation des contenus. On en a fait un premier bilan tout récemment, donc vous le trouverez sur le site du CSA, puisqu'il est tout à fait accessible, qui montre que les plateformes se sont mises en mouvement. On l'a bien vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire, Antoine Battisti pourra peut-être en parler. Il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été prises par les plateformes elles-mêmes pour lutter contre la manipulation de l'information qui est très forte en matière de santé. C'est l'un des premiers thèmes de manipulation de l'information. Mais on voit en même temps que sur les sujets de transparence de l'information, de transparence des algorithmes, il y a encore des efforts importants à faire. Alors une deuxième tentative, Sylvie Hubach l'a évoqué, a été entreprise avec la loi Avia sur les contenus haineux sur Internet. C'était l'idée d'imposer à ces acteurs une obligation de retrait des contenus haineux dans un délai de 24 heures sous peine de sanctions. Donc c'était un peu la disposition phare de ce texte de loi. Il y avait une deuxième partie dans ce texte de loi qui était plus inspirée, je dirais, du modèle Infox, qui était d'imposer là aussi aux plateformes des obligations de moyens avec un CSA en mission de superviseur. Et puis en même temps, c'est un texte qui prévoyait donc la création d'un observatoire de la haine en ligne associant l'ensemble des acteurs concernés par cette question. Cette tentative a rencontré un échec sévère au Conseil constitutionnel, puisque la loi a été invalidée pratiquement en totalité. Il ne reste qu'un élément qui est l'observatoire de la haine en ligne, qui échoua au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc nous l'avons installé tout récemment. C'est un observatoire qui associe l'ensemble des opérateurs, les associations qui luttent sur ces questions, et puis les pouvoirs publics. Donc on va voir ce qu'il va donner. Sa mission est une mission principalement d'observation, mais on va essayer d'en tirer le plus large parti pour essayer d'être actif sur ces sujets. La question maintenant, c'est celle des nouvelles initiatives qui vont être prises pour traiter ce sujet. Alors je pense que la bonne réponse, je partage de ce point de vue-là tout à fait l'analyse de Marie-Laure Denis, c'est la réponse européenne qui est le bon niveau pour traiter de ces questions de manipulation de l'information, de lutte contre les contenus haineux sur Internet, de protection des publics. Donc c'est tout l'objet du DSA, le Digital Services Act, qui est en cours d'élaboration, dont Thierry Breton a parlé effectivement hier dans une interview au Monde. On devrait avoir une copie de la Commission le 2 décembre prochain. C'est incontestablement le bon niveau, parce que la multiplication des législations nationales à l'égard de ces acteurs
qui ne sont pas implantées sur nos territoires n'est à l'évidence pas la réponse. La loi allemande dont s'est inspirée Laetitia Avia pour son texte de loi, la loi allemande qui date de 2018, n'a pas fait la preuve d'une efficacité définitive, ça se saurait, sur la lutte contre les contenus haineux. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir une norme européenne, de laisser aux régulateurs nationaux, en raison de leur proximité avec les acteurs, de s'assurer de la mise en œuvre de ces dispositions, et d'avoir entre les deux, nous appartenons, nous, à un groupe des régulateurs européens qui s'appelle l'ERGA, donc d'avoir un ERGA renforcé, plus structuré, pour assurer la bonne coordination de la mise en œuvre de la régulation au niveau des plateformes. Donc c'est incontestablement la bonne orientation d'inventer un nouveau modèle de régulation propre au continent européen, qui ne soit pas le modèle statocentré à la chinoise, avec ses spécificités qui ne correspondent pas à nos valeurs, ni le modèle libéral américain tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais un modèle équilibré, respectueux de la liberté d'expression et des valeurs fondamentales du continent, et en même temps soucieux de protéger les publics. On ne peut pas exclure que le Parlement français, compte tenu de l'actualité toute récente, veuille néanmoins se ressaisir du sujet. Pour nous, je l'ai évoqué, l'enjeu, c'est sûrement de ne pas être attiré dans le contrôle des contenus eux-mêmes. Je crois que ce serait totalement vain d'imaginer qu'un régulateur, quelles que soient ses ressources, puisse contrôler ses contenus les uns après les autres, mais de rester, comme je l'ai dit, dans une logique d'obligation de moyens imposée aux plateformes et une mission de supervision du respect de ces obligations. Trois remarques peut-être pour conclure, un peu dans le même esprit que la conclusion de Marie-Laure Denis. D'abord, cette mutation que j'évoque suppose également une évolution des compétences des régulateurs. Il faut gagner de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs pour avoir un dialogue équilibré avec les plateformes, donc avoir de nouveaux profils, des data scientists, des personnes qui sont capables de comprendre le fonctionnement des algorithmes pour pouvoir exercer pleinement notre mission de régulation. Ça suppose également, Marie-Laure l'a évoqué, un très grand renfort de l'interrégulation, parce que nous croisons en réalité très souvent les mêmes acteurs. Donc, ceux qui nous suivent ont vu que nous avons signé une convention avec l'ARCEP cette année et mis en place un pôle commun entre l'ARCEP et nous. Nous dialoguons très fréquemment avec la CNIL ou l'autorité de la concurrence. Et puis, également, ça suppose un dialogue renforcé avec le monde académique. Pour la loi Infox, on s'est doté d'un comité d'experts qui associe de nombreux partenaires. Dans l'Observatoire de la haine en ligne, on a effectivement aussi un certain nombre d'experts pour être en dialogue avec la société civile et s'appuyer sur l'expertise du monde académique. Donc c'est un nouveau schéma de régulation, en réalité, qui est en train de naître petit à petit sous l'effet de ces nouveaux textes. Je profite du fait que M. Battesti est encore avec nous pour quelques minutes pour rebondir sur ce qu'a évoqué le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les questions des manipulations de l'information pendant la crise sanitaire et sur ce qu'a fait la plateforme pour tenter d'éviter ou de contrecarrer ces manipulations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. En tout cas, ça a passé par deux choses. Hein. Le retrait de contenu pouvant mettre en danger les populations et deux, le soutien aux autorités publiques quand il s'agit évidemment de diffuser très massivement l'information sérieuse et crédible. Alors, sur le premier point, il y a des règles extrêmement strictes qui nous autorisent à retirer des faux traitements, par exemple, ou des traitements qui ne seraient pas invalidés officiellement par les autorités compétentes. Alors, ça concerne aussi bien des choses qui sont a priori délirantes, comme avaler de l'eau de Javel pour se soigner ou se prévenir du coronavirus, mais aussi des traitements qui n'ont pas encore démontré leur efficacité d'après les autorités compétentes. Nous retirons aussi tout type de contenu qui vise à minimiser l'importance de la maladie. Donald Trump en a fait les frais, puisqu'il semblait dire que ce n'était pas plus grave qu'une grippe. On le retire. On retire aussi tout type de contenu qui viserait à créer de la panique, du type...
ce qu'on a connu au début de la crise, tel supermarché est vide, précipitez-vous, enfin voilà, ce genre de choses qui peuvent évidemment blesser les personnes. Donc voilà, on a un arsenal en matière de retrait qui est important. Et je l'ai dit, ça applique aussi bien l'utilisateur lambda qu'aux chefs d'État et de gouvernement quand ils essayent de les franchir. Donc Bolsonaro, président aussi, fait les frais. L'autre point, évidemment, ce n'est pas que le retrait de contenu, ça a été travaillé avec le service d'information du gouvernement pour une diffusion la plus massive possible des messages de prévention. Ce que je viens de dire, les gestes barrières, porter un masque, voilà. Donc au fur et à mesure, on a construit avec eux ces types de campagnes, avec des soutiens techniques, financiers, qui évidemment... en fonction de la situation, pardon, était nécessaire. Et c'est un travail qui continue aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, on est pleinement disponible pour ça. Et effectivement, c'est un bon modèle de collaboration avec l'État sur des sujets extrêmement critiques pour nos concitoyens. Et pour le repérage de ces contenus, vous opérez comment ? Alors, il y a deux types d'actions. Soit des filtres automatiques sur la base de mots-clés, et aussi des signalements qui viennent des utilisateurs ou des autorités compétentes, parce que la DGCCRF a un accès H24 à nos équipes de modération. Alors, leur rôle est plutôt d'aller chercher, par exemple, plusieurs trafics de masques ou ventes de masques qui ont été signalés par la DGCCRF. Voilà, donc on a, les informations nous parviennent par divers moyens, ce qui nous permet de resserrer le plus possible les mailles du filet. Alors, c'est toujours pareil, des choses nous ont échappé, elles nous échappent encore. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est avoir un filet le plus restreint possible. Et avec le machine learning, on peut aussi apprendre certaines choses. Donc voilà, c'est pareil, c'est un travail empirique, itératif, mais sur lequel on est pleinement mobilisé. Je voulais juste indiquer que le Conseil d'État avait examiné la proposition de loi Avia, puisque Mme Avia avait demandé donc l'avis du Conseil d'État, et qu'une des conclusions à laquelle on était parvenu, c'était qu'effectivement, le seul bon niveau, c'était bien le niveau européen, ne serait-ce que parce que la directive e-commerce constitue un obstacle pour opérer comme la loi opérait. Et puis parce qu'en plus, la question aussi de l'imposition d'obligations à des plateformes dans le pays de réception et pas dans le pays d'émission était aussi une deuxième difficulté. Je ne sais pas d'ailleurs quel va être le choix qui va être fait dans le DSA sur cette question, mais c'est évidemment aussi un point clé. Mais si cela étant, une coopération entre les différentes autorités de régulation mise en place, à l'instar de ce qui existe dans le domaine de la protection des données personnelles, cette question pays de destination, pays d'émission est peut-être un peu moins cruciale, si je puis dire. Oui. Oui, non, je partage tout à fait cette observation. E-commerce, ça remonte aux années 2000. Aux années 2000, beaucoup des acteurs dont nous parlons aujourd'hui n'existaient pas. Donc, à l'époque, la problématique était essentiellement une problématique de nature économique et concurrentielle, hein, dans le cadre du marché unique. Aujourd'hui, la problématique a complètement changé du fait de la multiplication de ces acteurs, de leur taille, et puis de cette aspiration à une protection des publics, qui s'exprime aujourd'hui très, très fortement. Donc le DSA est vraiment une chance historique. C'est un texte qui comporte en principe deux volets, un volet économique et concurrentiel d'un côté, qui est peut-être le moins avancé aujourd'hui d'après ce qu'on voit, un volet Vestager, si je puis résumer, et puis un volet régulation des contenus qui lui est beaucoup plus avancé, sur lequel nous-mêmes, on a apporté notre contribution. Le réseau des régulateurs européens a apporté une forte contribution. On a eu l'occasion d'échanger avec le commissaire Breton il y a peu de temps sur ce sujet. Et donc, ce texte, comme je le disais, devrait être connu le 2 décembre. Notre vision, c'est qu'il faut qu'il soit le plus large possible, qu'on ne soit pas que sur les contenus illicites en tant que tels, mais qu'on soit aussi sur les zones grises. Et voilà, je pense que c'est effectivement une chance pour le continent européen, une fois encore, d'inventer un nouveau modèle de régulation. Et probablement, pour répondre à l'observation de la présidente Hubac, on restera quand même sur une approche pays d'implantation plutôt que pays de destination. C'est quand même une caractéristique très forte au sein de l'Union aujourd'hui, même si, comme je le disais,
la charge de la mise en œuvre devrait incomber, le commissaire Breton l'a redit hier dans son interview, aux régulateurs nationaux, des régulateurs nationaux coordonnés, parce qu'imaginer aujourd'hui un régulateur pan-européen est un peu une vue de l'esprit. Ça a été évoqué par quelques parlementaires européens, mais l'état de l'Union est tel qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui un grand régulateur pan-européen sur ces sujets. Je vais me tourner maintenant vers monsieur. Devrait davantage, lui, donc, nous parler des questions de manipulation électorale ou à des fins électorales, à des fins politiques. Monsieur Velay. Merci beaucoup et merci pour cette invitation à échanger quelques réflexions avec vous sur... Alors, je ne suis pas sûr que je vais parler de manipulation de données à des fins électorales, puisque l'idée de manipulation implique l'idée qu'on va agir sur quelqu'un par des moyens détournés pour contraindre ou conduire cette personne à faire quelque chose de précis. Et ce que je vais montrer, c'est que c'est relativement difficile dans le domaine politique et dans le domaine électoral. Pour introduire mon propos, d'abord, il me faut rappeler deux ou trois choses sur le but, la finalité des campagnes électorales. Dans la plupart des pays démocratiques, une campagne électorale sert avant tout et d'abord à mobiliser les soutiens traditionnels ou potentiels qu'un candidat peut avoir. Il ne s'agit pas véritablement de convaincre. La persuasion se fait sur un temps beaucoup plus long qu'une campagne électorale. Et donc, le but premier, c'est véritablement réussir à ce que les électeurs qui sont susceptibles de voter pour nous aillent aux urnes. Et dans toutes les études qu'on peut faire, on s'aperçoit que les transferts entre des camps adverses sont très rares et très, très faibles, et que les changements d'intention de vote au cours de la campagne se font principalement, comme je l'ai dit, entre l'abstention et le vote effectif, ou l'inverse, et puis éventuellement, de façon un petit peu secondaire, entre des candidats voisins dans un même camp. Donc, toute la stratégie, ça va être évidemment d'identifier, de repérer ces électeurs qui sont soit des électeurs traditionnels, soit des électeurs potentiels. Alors, évidemment, les choses vont dépendre énormément du contexte réglementaire et suivant les pays, on n'aura pas du tout les mêmes possibilités. Et en gros, je ferai une distinction un petit peu grossière, mais il faut véritablement distinguer des pays de tradition anglo-saxonne, au premier rang desquels le Royaume-Uni et ensuite les États-Unis, et puis des pays comme la France qui sont beaucoup plus protecteurs à l'égard des données personnelles et de leur utilisation en matière électorale. Alors, je crois qu'il faut citer ici tout particulièrement le cas anglais, où il y a une possibilité pour les candidats de connaître très précisément les électeurs qui les soutiennent, mais de les connaître en les identifiant par leur nom, leur adresse, leur numéro d'électeur. C'est une pratique très ancienne en Grande-Bretagne, où avant les élections, durant la période de campagne, même parfois plusieurs années auparavant, on va directement chez les électeurs. C'est une pratique qu'on appelle le canvassing, le porte-à-porte, si vous voulez. Donc, on va taper à la porte et on va discuter avec chacun des électeurs pour savoir ce qu'ils pensent, s'ils sont plutôt favorables à votre parti ou au contraire des adversaires. Et on prend des notes. On peut prendre autant, on peut collecter autant d'informations qu'on le souhaite à partir du moment, évidemment, où la personne vous les donne. Et ensuite, ce n'est pas fini. Donc, on tient des listes. Moi, j'ai vu plusieurs membres du Parlement britannique qui vous montrent sur leur ordinateur. Ils ont les noms de leurs électeurs, leurs tendances politiques, leur numéro de téléphone et d'autres indications personnelles sur leur famille, éventuellement des fêtes ou des événements particuliers à souhaiter. Enfin,
toutes les informations qu'on souhaite collecter à partir du moment où on vous les a données, bien évidemment. Et le jour de l'élection, devant chaque bureau de vote, vous avez des représentants, généralement les deux grands partis, voire les trois partis, qui sont présents, bien identifiés, et qui demandent à chaque électeur qui se rend au bureau de vote son numéro d'électeur, puisque chaque électeur est identifié. Et donc ça permet ensuite, en vérifiant avec ses propres listes, de vérifier si vos soutiens sont allés voter ou pas. Et au cours de la journée, ben, on ajuste. Si on s'aperçoit que les supporters de son candidat ne sont pas allés voter, on les appelle au téléphone, on les accompagne jusqu'au bureau de vote. Donc là, on a un cas d'identification personnelle des soutiens. Mais dans la majorité des cas, et en France en particulier, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'en France, on n'a pas le droit, comme vous le savez, de faire des listes avec d'un côté des noms et de l'autre côté des préférences politiques. Tout cela est évidemment protégé par la loi informatique et liberté. Donc la façon de procéder dans ce cas-là, c'est de faire du profilage. C'est-à-dire on ne va pas identifier individuellement des catégories, des électeurs qui peuvent nous soutenir. On va plutôt définir des catégorie d'électeurs susceptibles de voter pour nous, avec de grandes chances, donc une grande probabilité de vote pour tel ou tel candidat. Alors, traditionnellement, il y a deux façons de procéder. En France, la science politique française est assez célèbre, et la sociologie électorale française est assez célèbre pour son approche de géographie électorale. Donc vous avez tous vu, j'imagine, ou aperçu en tout cas, ces magnifiques cartes électorales qu'on fait depuis très très longtemps à Sciences Po, où on met en relation des votes pour tel ou tel parti politique ou pour tel candidat, et des territoires. Et en France, on a la chance de pouvoir descendre à un niveau très très, très, très fin. Nous avons à peu près 64 000 bureaux de vote, mais même si on est au niveau du canton, on arrive à percevoir des logiques territoriales et là, le poids du contexte local dans le vote. Donc, c'est une première façon de faire. Et puis, depuis les années 1960, on procède par des enquêtes de sondage qui nous permettent de faire des relations entre des votes, ou des intentions de vote en tout cas, des caractéristiques sociodémographiques, des valeurs, des croyances, des préférences, des relatives aux attitudes politiques. Alors évidemment, la grande révolution depuis quelques années avec le numérique, c'est qu'on peut engranger encore plus de données et notamment déjà faire fusionner ces deux traditions, la sociologie électorale à base d'enquête par sondage et la géographie électorale, puisque aujourd'hui on peut géolocaliser les électeurs ou on peut croiser des données qu'on a par enquête par sondage, avec par exemple des données de l'INSEE. Il suffit de demander aux répondants leur code postal. Et là, on peut construire des modèles de plus en plus précis. Et dans certains pays, depuis relativement longtemps, on s'aperçoit qu'on peut faire des modèles prédictifs qui sont à la fois de plus en plus précis et surtout qui intègrent des variables auxquelles on n'aurait pas pensé. Et je vais vous citer quelques-uns des modèles qui ont été utilisés. Par exemple, en 2004, lors de la campagne de Bush, donc il y avait un modèle qui avait été fait par un conseiller en communication qui s'appelait Karl Rove, qui était le conseiller en communication de Bush. Et il travaillait à partir de 30 grandes catégories de supporters. Pour vous donner juste deux exemples, il y avait notamment une catégorie qu'ils avaient ciblée, les vétérans, de guerres diverses, fan de NASCAR. C'est une course automobile particulière. Voilà, donc ça, c'était une cible. Donc, grande probabilité de vote républicain et pour Bush. Donc, il fallait toucher ces électeurs. Vous aviez ensuite les mamans habitant en banlieue et soutenant le deuxième amendement. Mais Obama faisait pareil. Il utilisait une base de données qui s'appelait Catalyst, qui croisait énormément de données comportementales. Et par exemple, ils avaient identifié parmi à peu près 60 catégories. Il y avait notamment les millennials, qui avaient une dette pour leurs études à l'université. Donc, catégorie très susceptible, autre probabilité de vote pour Obama. Donc, une fois qu'on a fait du profilage, il faut évidemment
toucher les électeurs qu'on a profilés, c'est-à-dire les catégories qui sont susceptibles de nous soutenir. Et c'est là qu'interviennent les plateformes. Donc, M. Battesti a très bien décrit le métier qu'il faisait. Et il nous a très bien expliqué qu'il ne vendait pas directement des données, mais l'accès à des catégories de public. C'est en gros ce qui fait. C'est un commerce tout à fait légitime. Alors, parfois, ce commerce est un peu perturbé parce que, dans l'affaire Cambridge Analytica, nous avions à la fois la construction d'un profil qui, en l'occurrence, était basé sur des variables psychologiques, mais aussi Cambridge Analytica disait « mais je vais vous donner l'accès aussi à ces personnes qui correspondent au profil », alors que, notamment, il n'avait pas des données identifiantes de personnes. Certes, Cambridge Analytica pouvait construire des profils d'électeurs, mais il était surprenant qu'il ait un accès à ces catégories d'électeurs. Alors, pour moi, donc, ce commerce est tout à fait légitime. Néanmoins, se pose quand même un certain nombre de questions, c'est-à-dire dans quelle... C'est des questions très traditionnelles que je vais poser, je vous prie de m'en excuser, mais dans quelle mesure une plateforme en situation de position dominante, voire parfois de monopole, peut s'arroger le droit de définir ses propres règles. Par exemple, quand Facebook dit « on interdit la publicité politique », de quel droit ? Si les autorités publiques le décident, dans un cadre législatif, je veux bien l'admettre, je ne suis pas du tout partisan, notamment à la télévision, de l'introduction de la publicité politique. Mais je ne vois pas pourquoi un opérateur privé aurait le droit de définir ses propres règles. De la même façon, quand ils font la chasse aux fake news, donc ils imposent un certain nombre de règles, de normes, qui ne sont pas forcément les normes que nous avons en Europe. Et là encore, on peut se poser la question. Et là, on touche, je crois, une vieille question pour tous les spécialistes de la régulation dans le secteur de la communication. On touche à la nature ambivalente des plateformes qui sont à la fois... Vous savez, en anglais, on dit plutôt que réseaux sociaux. En français, on dit réseaux sociaux. Mais en anglais, on dit plutôt social media. Et je crois qu'on touche là. C'est à la fois... des réseaux, au sens réseau de télécommunication, qui mettent des individus en communication, en contact les uns avec les autres, et à la fois des médias. Et comme vous savez, la tradition en termes de régulation de ces deux catégories est très différente. Les médias, on a tendance à les réguler, parce qu'ils organisent de l'information, ils proposent des contenus, ils ont des stratégies et des politiques éditoriales, donc on a tendance à les réguler, à les encadrer par des règles. Au contraire, les opérateurs de télécommunications, on considère qu'ils doivent être neutres, le principe de neutralité, et qu'ils ne doivent pas intervenir dans le contenu. Bien, donc je vais quasiment m'arrêter là, juste une petite conclusion. Le fait de... vouloir toucher telle ou telle catégorie d'électeurs et pour cela de faire des traitements de données de plus en plus sophistiqués ne signifie pas que le fait d'exposer ces catégories d'électeurs à un message aux données va évidemment les influencer dans leur vote. Alors ça, c'est tout le mystère évidemment de l'alchimie électorale, de la prise de décision. Malgré tout, et tout ce qu'on peut faire comme étude sur les pratiques informationnelles des électeurs montre que, très souvent, dans l'ensemble, ce n'est pas parce que nous voyons quelque chose que nous allons avoir telle ou telle opinion politique, ce n'est pas parce que nous voyons quelque chose que nous le croyons, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que nos attitudes politiques préalables, nos croyances politiques, nos préférences structure et filtre énormément notre regard sur l'environnement informationnel qui nous entoure. Et dans la plupart des cas, c'est nous ne voyons que ce que nous croyons. Merci. Ils sont très, très, très intéressants. Je vais juste rebondir sur deux choses. Je crois que dans Cambridge Analytica, la particularité, c'est que c'était en réalité une application qui avait été imposée, enfin qui s'était mise en œuvre sur Facebook par un tiers à la plateforme, qui avait récupéré un certain nombre de équipes par l'intermédiaire d'un quiz qui posait des questions, avait récupéré un certain nombre de réponses et probablement aussi pu identifier la provenance des comptes, donc effectivement avoir pu construire un modèle assez complet, à la fois de profils psychologiques influençables
et de données qui permettaient d'identifier les électeurs eux-mêmes pour leur envoyer ensuite les messages. C'est tout, ensuite, sur ce que vous dites sur l'autorégulation des plateformes, personnellement, moi, je vous rejoins complètement, car en réalité, aujourd'hui, elles se comportent comme des États. Elles définissent les règles d'accès à, la communauté, elles définissent les règles de fonctionnement à l'intérieur de la communauté, et elles définissent la police de la communauté. Donc, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un système. Alors, peut-être faut-il, d'une certaine manière, dire qu'il y a du plus, parce que l'autorégulation, cette autorégulation, et c'est bien ce que disait quand même M. Battesti, c'est quand même un phénomène nouveau, et le président du CSA le confirmait. Mais il est certain que on voit bien que là, il y a un très gros sujet potentiel d'évolution, effectivement, plutôt vers une régulation par des autorités publiques d'un minimum de règles de fonctionnement de ces plateformes pour sortir d'un système où, effectivement, elles sont souvent seules maîtres à bord. Alors, on arrive à... Je vois qu'il est 11h20, donc on a 10 minutes... je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions. Et puis, je crois qu'il y avait aussi des questions ensuite éventuellement posées par des internautes. Donc, une question, madame, oui. Okay. En fin de compte, j'ai entendu la personne de Facebook. Le modèle économique de Facebook, c'est quand même d'augmenter et de maintenir un nombre d'utilisateurs et de les rendre captifs. Ils sont plutôt assez forts en termes d'algorithmie. Ils ont des systèmes assez ingénieux, effectivement, pour rendre ces personnes captives. Le cloisonnement est dans des centres d'intérêt, fait qu'effectivement, les personnes vont se rassembler, vont être communiquer entre eux, vont continuer à travailler ces sujets-là. Donc là, ça va permettre la classification, par lier de social media. Donc ça va permettre d'obtenir des données qui vont permettre l'ultra-personnalisation. C'est ce qu'on recherche effectivement dans le futur pour effectivement offrir des publicités extrêmement ciblées. Donc là, on parle de manipulation individuelle, mais qui vont avoir un impact aussi sur les risques mentaux et physiques de la personne. Donc là, je pense que le système à mettre en œuvre, c'est aussi d'éduquer. On parle de culture de la data, donc d'expliquer aux personnes qu'effectivement, ça peut être... risqué pour l'état physique et mental, de décloisonner, d'avoir un esprit critique. Donc les derniers événements nous ont montré qu'effectivement, de cloisonner, ça pouvait être dangereux. Et aussi d'être moins intrusif. Donc c'est sûr qu'avec leur système, les personnes restent bloquées sur leurs écrans. Et donc donc on parle de manipulation individuelle, on parle effectivement de manipulation de publicité. Mais là, effectivement, on oublie un petit peu le côté mental, physique, et de ce que nous promet l'avenir sur, effectivement, des personnes qui vont avoir moins d'esprit critique, qui vont être plus cloisonnées, qui ne vont plus bouger de chez eux. Et le Covid, je pense, a aussi augmenté ce principe, et il va même l'accélérer. Donc voilà, donc je voulais avoir aussi votre point de vue sur le fait que, est-ce qu'on va aborder aussi, au-delà de réguler les publicités, etc., c'est de s'assurer, effectivement, d'éduquer les personnes et de s'assurer que ces médias ne transforment pas notre économie future de zombies, rendre nos citoyens des zombies. Voilà. Oui, madame la présidente Denis souhaite intervenir. Je voulais juste dire que vous avez tout à fait raison d'insister sur l'aspect enfermement du système avec ces bulles de filtre qui font qu'effectivement... les individus sont cantonnés finalement dans des univers fermés, toujours alimentés par les mêmes contenus ou les mêmes informations, et qu'il peut en résulter, comme vous le dites, à la fois, certainement en résulter quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on avait pu attendre à un moment d'Internet, qui était l'idée d'une ouverture sur les connaissances, sur les idées, sur l'information. Et on voit bien qu'au contraire, parfois, c'est un phénomène d'entonnoir, avec les risques effectivement. Sur le psychisme des gens qui est réel. Madame. Merci, Madame la Présidente. Je pense que la personne qui
vient de s'exprimer, madame, a employé un mot très important qui est celui d'éduquer, bah, autant que possible, tout comme au CSA, parce que je sais qu'il y a de grosses actions d'éducation numérique au CSA, la CNIL fédère un collectif d'associations, de fondations, d'entreprises qui s'appelle EducNum, éducation au numérique, où nous mettons collectivement beaucoup de ressources pédagogiques dans le domaine de la protection des données, au service des professionnels, au service des parents aussi. Je crois beaucoup, je me permets de le dire, au dialogue entre les générations sur les questions d'éducation numérique et notamment de protection des données. Parce qu'il ne faut pas que ce soit simplement descendant, parce que je pense que dans ces cas-là, le message a peu de prise. Et qu'à l'inverse, sur ces sujets qui sont en constante évolution, on voit bien que les jeunes générations ont beaucoup à apprendre aussi, en réalité, à leurs parents, à leurs grands-parents. Donc, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour favoriser ce dialogue. On distribue, par exemple, dans les collèges, cette collection, vous savez, les incollables, sur la protection des données ou autres. On est en train de lancer avec le CSA, l'ADOPI et le Défenseur des droits un kit pédagogique qui met en commun précisément les ressources dans le domaine de l'éducation numérique de ces différentes institutions. Et pour répondre à des questions très concrètes, comment est-ce que je peux supprimer un compte sur les réseaux sociaux, est-ce que je peux diffuser des photos ou des vidéos sur les réseaux sans le consentement des personnes, par exemple en ce qui concerne la CNIL. Et puis nous essayons, quand nous engageons une action dans un secteur particulier, c'est le cas par exemple dans le domaine de la publicité ciblée aujourd'hui, pour essayer de faire en sorte que le consentement qui est demandé au dépôt de traceurs et de cookies quand vous allez sur un site ou quand vous vous connectez à un objet qu'il est, soit aussi informé et libre que possible. Nous mettons par exemple sur notre site internet, nous avons conçu un outil qui s'appelle CookieViz, un peu comme visionner les cookies, qui vous permet, évidemment on ne fait pas du name and shame, c'est-à-dire on ne dit pas nous-mêmes aller voir tel ou tel site pour voir ce qu'il en est, mais vous rentrez vous-même le site sur lequel vous naviguez, le nom du site sur lequel vous naviguez, et vous voyez instantanément par exemple si ce site, sans que vous ayez fait la moindre action positive pour consentir à quoi que ce soit, a déposé des traceurs à l'occasion de votre navigation, les gens ayant peu conscience d'ailleurs que ces traceurs souvent sont revendus par définition, ce qui est logique hein, dans un système publicitaire contre lequel on n'a rien, mais dont on souhaite simplement qu'il applique les règles de consentement. Voilà. Donc je pense que ces outils, il faut donner le plus possible des outils aux internautes, aux téléspectateurs, etc., pour qu'eux-mêmes, c'est un peu l'empowerment, pour qu'eux-mêmes aient la capacité de prendre conscience des problèmes qui se posent et d'essayer d'y répondre. Juste, oui, deux choses. Je crois qu'on est tous d'accord que l'éducation, c'est la clé. Hein, c'est la clé parce que la régulation, l'autorégulation va être très difficile à mettre en œuvre pour des raisons politiques, pratiques, économiques. Je crois que l'éducation, c'est la clé, à condition aussi qu'elle soit bien faite et qu'elle ne conduise pas au relativisme culturel ou autre. C'est quelque chose à quoi il faut être évidemment très attentif. Et l'autre réflexion que je voulais faire, et je m'interrogeais tout haut, est-ce que le ciblage vous paraît être une pratique anormale ou... Voilà, parce que après tout, ça peut paraître tout à fait légitime de cibler des catégories de personnes et soi-même, à partir du moment où on est consentant, c'est-à-dire je veux recevoir tel ou tel type d'information qui est plutôt en relation avec mes intérêts, pourquoi pas? Et donc, idéalement, évidemment, il faudrait après qu'il n'y ait que des pratiques de opt-in et pas de opt-out, comme on nous propose malheureusement. Jean-Yves ? Relayer quelques questions des internautes. Oui, merci. Dans ce débat, on a effectivement un certain nombre de réactions sur le fait que le fait de confier la modération des contenus à une plateforme, en particulier en période électorale, ou de lui confier des décisions, de laisser prendre des décisions structurantes en la matière, est quelque chose qui peut paraître assez, assez choquant. Et j'ai en tête un autre exemple qui est celui du compte de Podemos. Que Twitter avait fait sauter une semaine avant les élections espagnoles. Et la question qu'on peut se poser à cet égard, c'est est-ce qu'il n'y a pas une limite du modèle du contrôle de deuxième niveau dans ce type de situation, et à quel type d'instance
on peut penser pour intervenir directement dans ces décisions structurantes ou en ligne de contrôle. Alors, moi, je partage tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure sur l'autorégulation et ses effets pervers. Ça va quand même pas de soi dans une démocratie qu'une plateforme décide proprio motu d'éliminer le tweet du président des États-Unis. En tout cas, ça peut susciter un débat assez légitime. Sur la loi Avia, la question avait été posée de la même façon, d'une forme de privatisation de la justice, finalement. On demandait, puisqu'on faisait peser sur les plateformes avec ce texte de loi, une possibilité de sanctions très lourdes sur les plateformes si elles n'éliminaient pas des contenus haineux dans un délai de 24 heures après leur signalement. Beaucoup de critiques se sont exprimées sur le thème « Oui, mais du coup, ça va conduire ces plateformes à suréliminer pour ne pas engager leur responsabilité et donc porter atteinte à une liberté fondamentale qui est aussi la liberté d'expression. » Or, c'est quand même le rôle fondamental du juge de statuer sur ces questions. Exactement. Donc, laisser ces seuls acteurs, avec la puissance qu'est la leur, de décider du bien et du mal, si je puis dire, d'une formule résiduelle, me paraît quand même problématique. C'est la raison pour laquelle il faut que les États interviennent, que la démocratie s'exprime et que le cadre juridique soit posé, d'où l'importance, me semble-t-il, d'avoir une vraie régulation de ces acteurs et de ne pas les laisser décider seuls. Je réagis également à ce qu'a dit Madame juste avant, mais je partage tout à fait son analyse sur le risque d'enfermement. Les thèses complotistes, et on le voit bien quand on suit la campagne électorale américaine du moment, elles prospèrent aussi beaucoup du fait de cet enfermement. On ne s'informe qu'au sein de sa communauté. La seule vérité établie, c'est celle de sa communauté. Et non plus le point de vue de l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, bien évidemment, l'éducation a un rôle essentiel à jouer, comme l'a très bien dit Marie Dordogne. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour. Isabelle Chepanski, journaliste à Électron Libre. Je voulais rebondir sur la sélection de contenu et sur les modalités de la sélection de contenu par les plateformes. Mardi, le Parlement européen a voté en grande majorité un rapport qui demande à la Commission européenne d'interdire les outils de sélection automatique a priori des contenus au nom de la liberté d'expression. Je me demandais ce que vous en pensiez, vu que monsieur... Alors, ça aurait été intéressant... Excusez-moi, j'ai un problème de gorge. Ça aurait été intéressant de savoir ce que monsieur Battesti en pensait, puisqu'il a expliqué que c'était bien utilisé sur Facebook. Oui, les outils de sélection a priori de contenus pour éliminer les contenus a priori. Donc, je me demandais ce que vous en pensiez, vous. Est-ce qu'il faut maintenir ces outils automatiques de sélection ou, comme le Parlement européen semble le vouloir, les interdire. Alors, le Parlement européen dit qu'il faut les autoriser seulement pour le contenu manifestement illicite, ce qui reste compliqué. Merci. Enfin, je m'hasarde tout en... Je ne savais pas que le Parlement européen avait voté cette résolution. C'est précisément un rapport. Un rapport, d'accord. Oui, c'est un rapport qui demande à la Commission européenne de statuer, enfin de décider là-dessus ou de proposer là-dessus dans le cadre du Digital Services Act. Mais la question que vous posez, elle renvoie à la question qui va être abordée dans la deuxième table ronde sur la transparence des algorithmes. Mais il faut quand même bien voir que les algorithmes, je pense, sont quand même utiles, notamment dans tout ce qui est la lutte contre le terrorisme, pour repérer
un certain nombre de messages par des clés, des mots-clés, des recherches, etc. Donc je crois que se priver de cet outil, ce serait vraiment se priver de moyens de lutte efficace contre le... Simplement, ça renvoie à la question de comment on les fabrique, comment on les contrôle, ces algorithmes, sont-ils transparents, sont-ils connus? Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que je pense que je ne suis pas sûre que les algorithmes utilisés par Facebook soient transparents et c'est sans doute peut-être un progrès à faire pour l'avenir. Oui, c'est également ce que demandent d'ailleurs les propriétaires de contenus protégés par le droit d'auteur. Eux, ils souhaitent qu'il y ait des outils de sélection a priori. Je crois qu'on est arrivé au terme du temps qui nous était imparti, donc je voudrais vraiment très chaleureusement remercier les participants à cette table ronde qui a permis, je crois, de brasser autour de la question de la manipulation des données individuelles et pas seulement personnelles d'ailleurs. Beaucoup d'idées, d'informations. Moi, je retiens quand même plusieurs points qui me semblent assez convergents entre nous autour de la table. C'est le premier, c'est que quand même, on est effectivement, vous l'avez dit, devant une opinion publique qui est de plus en plus en demande même de protection, d'organisation de règles. C'est sans doute assez nouveau. Ça résulte d'une prise de conscience du développement de l'économie des données depuis plusieurs années. Deuxièmement, que l'autorégulation, on l'a bien dit, on l'a bien vu, a des limites, qu'il faut inventer autre chose, aller plus loin. Une régulation, mais vous l'avez dit aussi, qui ne peut pas être non plus totalement traditionnelle compte tenu des médias auxquels on a affaire et qui doit pouvoir reposer. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre à travers l'intervention de M. Battesti, sur des volontés de coopération plus certaines que ce qu'elles n'étaient jusque-là. Troisièmement, je trouve que c'est très important, effectivement, ce que vous avez dit sur l'interrégulation, parce qu'on est vraiment, on voit bien qu'on est vraiment dans ce champ au croisement de préoccupations différentes et qu'il faut combiner. Bon, le niveau européen qui effectivement s'impose, et maintenant c'est le cas pour embarquer véritablement une régulation du système. Et enfin, voilà, effectivement, la clé du mot de l'éducation à l'esprit critique, à l'ouverture, pour éviter les enfermements, effectivement, auxquels on a fait allusion, et plus largement pour donner aux citoyens et à l'internaute les moyens de naviguer à la fois en connaissance de cause, en sécurité, et en connaissance de ses droits, ce qui est aussi évidemment très important. Voilà, merci beaucoup. Je laisse. Bien, donc Covid aidant, nous n'avons pas de pause café, alors nous enchaînons directement. Tout d'abord, je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole pour remercier, en tant que co-organisateur de ce colloque, le Conseil d'État et en particulier son vice-président Bruno Lasserre pour avoir accepté et surtout soutenu l'idée de ce colloque. Et puis je voudrais aussi remercier plus particulièrement Martine de Boisdreffre et Jean-Yves Ollier qui, du côté du Conseil d'État, ont activement participé à l'organisation de ce colloque. Je voudrais signaler notamment le travail très important
qu'a fait Jean-Yves Ollier en préparant un dossier tout à fait remarquable sur la question de l'état du droit aujourd'hui sur la question de la régulation des données. Maintenant, je vais enchaîner directement sur notre table ronde qui aura une allure un peu particulière parce que, compte tenu des contraintes sanitaires, une partie des participants à la table ronde ne pouvait pas voyager tout simplement et donc se rendre au Conseil d'État aujourd'hui. Et donc, nous avons trois intervenants qui seront en ligne. Donc, il s'agit de Winston Maxwell, qui est de Télécom Paris, alors de Joris Plingers, de la Cour de justice de l'Union européenne, et de Werner Steng, qui est un des piliers du cabinet de Margaret Vestager, donc à Bruxelles. Et donc, je voudrais les remercier, bien entendu, d'être là avec nous en ligne ce matin. Et puis, bien entendu, je voudrais remercier aussi Alexandre Lallet du Conseil d'État. Donc, lui, il est dans la maison quand même. Et Jamal Atif de l'Université Paris-Dauphine d'être présent pour cette table ronde qui porte donc sur les algorithmes. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on organise une table ronde sur les algorithmes dans un colloque sur la régulation des données. Mais comme cela a bien été illustré par la table ronde précédente, en fait, les données, elles n'ont de sens que parce qu'ensuite, elles sont utilisées par des algorithmes. Et plus exactement, tous les algorithmes sont issus des données, quelle que soit leur nature. On reviendra tout à l'heure avec Jamal Atif sur les différentes catégories d'algorithmes, mais en fait, au fond, les algorithmes que l'on utilise pour prendre des décisions, j'y reviendrai dans un instant, ils viennent tous, en fait, de l'analyse préalable de données, de la collecte de données qui permettent de construire des modèles sur le phénomène qu'on veut étudier, et par ailleurs, ensuite, ces algorithmes aboutissent à des modèles de décision qui deviennent éventuellement des modèles algorithmiques de prise de décision. Et donc les algorithmes sont le fruit des données, et c'est le point clé, en fait, c'est la raison pour laquelle la donnée est centrale dans la question des algorithmes en général et de leur régulation et de leur gouvernance en particulier. Alors ça nous conduit en fait à un biais, enfin un point très important qui est ensuite de poser la question au fond de savoir pourquoi on se pose tant de questions sur les algorithmes au fond, puisque effectivement qu'il s'agisse d'une administration ou d'une entreprise, elle collecte des données pour fixer ses tarifs quand c'est l'entreprise et pour prendre une décision administrative par exemple quand c'est une administration. Donc les données en soi ne sont pas forcément un problème, mais précisément là où ça devient un problème, c'est que quand on développe de la décision algorithmique, au fond on prend des décisions sur des individus qui ne sont plus que statistiques, et donc on va ignorer la spécificité de l'individu, d'où l'importance que la décision algorithmique peut avoir soit sur les droits individuels, soit sur, au fond, la liberté de prise de décision, finalement, de l'individu, puisque l'individu peut être aussi manipulé par les algorithmes, alors dans les réseaux sociaux, enferré dans un tunnel informationnel. Mais quand vous utilisez Google, vous êtes aussi enfermé dans un tunnel informationnel. On vous propose des résultats, mais non seulement on vous propose des résultats, on vous propose les questions. Hein. Quand vous commencez à taper une question sur Google, il induit de qui vous êtes et de la manière dont vous commencez à taper une question, la question que vous vous posez. Et donc effectivement, les algorithmes posent des problèmes centraux autour à la fois de la question des droits des individus et autour de la question des manipulations potentielles des individus. C'est vrai pour les individus, c'est vrai aussi d'ailleurs au passage pour les personnes morales. Donc c'est pour ça que ça va aussi avoir des conséquences, par exemple dans le jeu économique, etc. À partir de là, il est intéressant de remarquer, enfin ou plutôt de faire
de cartographier la nature de ce que font les algorithmes. Il y a des algorithmes qui prennent des décisions, qui vont vous dire oui ou non, vous obtenez le prêt bancaire, vous n'obtenez pas le prêt bancaire, vous obtenez votre titre de séjour ou pas, ou, enfin ce genre de choses. Donc il y a des algorithmes qui prennent des décisions. Il y a d'autres algorithmes en fait, qui vont vous donner de l'information, sélectionner l'information pour vous, et à la fin, ils peuvent vous suggérer la décision que vous allez prendre. Donc tous ces algorithmes... alors, pourquoi les gens les utilisent? Parce que ça facilite, ça facilite l'utilisation de la profusion d'informations qui existent sur Internet, ça facilite la sélection de l'objet de mes rêves, ça facilite l'organisation de mon voyage. Bon, c'est une question qu'on se pose de moins en moins, mais donc l'algorithme, en fait, va influencer votre décision et voir se substituer à la fin à votre libre arbitre. Ensuite, les algorithmes, ils peuvent aussi avoir des effets, mais des effets, en fait, qui résultent de l'interaction entre les algorithmes. De plus en plus, les entreprises utilisent des algorithmes, par exemple, pour faire de la tarification. Et donc, ces algorithmes qui vont décider de tarifs, par exemple, ils vont réagir en fonction des tarifs des autres entreprises, en fait, etc., etc. Et donc, c'est l'interaction des algorithmes qui va produire des effets. Et là, par exemple, dans les effets concurrentiels, il y a des papiers récents qui montrent ça très bien. En fait, quand vous utilisez une intelligence artificielle toute seule face à des humains, ça n'a pas d'effet concurrentiel majeur. Quand vous utilisez des intelligences artificielles qui interagissent les unes avec les autres, effectivement, comme elles sont toutes programmées pour maximiser les profits, elles font de la collusion, automatique. Elles apprennent en fait comment l'autre acteur se comporte, etc., etc. Et donc là, on a des tas de cas où on peut avoir des effets non souhaités, ou en tous les cas non souhaitables, à partir en fait des interactions entre les algorithmes. Et puis il y a un dernier cas de figure en fait. Qui est lié au problème des mécanismes prédictifs. Les algorithmes, en fait, ils essayent effectivement, une partie des choses qu'ils essayent de faire, c'est de prévoir. Alors, de manière parfois tout à fait légitime, qu'est-ce que fait Uber ? Il développe des algorithmes pour savoir où il va y avoir de la demande de transport pour que, effectivement, au moment où vous tapez que vous ouvrez votre application Uber, en fait, eh bien, en fonction de la météo, de l'heure, du quartier où vous êtes, etc., éventuellement de votre profil, Uber a prévu qu'il y avait probablement une demande de 10 voitures dans le pâté de maison, et donc vous avez un Uber qui arrive en moins de 2 minutes, etc., etc. Donc, évidemment, tout le monde est très content. Le chauffeur qui, éventuellement, charge plus rapidement des clients, le client qui n'attend pas sous la pluie, etc., etc. Mais évidemment, les modèles prédictifs, ils peuvent aussi être utilisés pour d'autres raisons. Alors là encore, des raisons tout à fait légitimes. On veut prévenir le terrorisme. Donc, effectivement, on va mettre un algorithme en route pour essayer de détecter, en fait, les comportements. Et puis, idéalement, il faudrait effectivement arrêter le terroriste avant qu'il agisse. Mais évidemment, ça pose évidemment des problèmes. Quand il s'agit de terrorisme, je pense que tout le monde va être assez d'accord. Mais quand il ne s'agit pas de terrorisme, ça devient plus complexe. Et donc ces algorithmes, en fait, ils peuvent produire des effets qu'il convient d'essayer d'analyser dans des situations très différentes. C'était ça mon point, le premier point. Deuxième point, évidemment, les algorithmes, ils sont utilisés par des acteurs qui peuvent être de nature très différente. Alors évidemment, d'abord, il y a les acteurs publics qui peuvent utiliser des algorithmes pour admettre des étudiants à l'université, distribuer des titres de séjour, enfin j'en passe et des meilleurs. Ensuite, il y a des algorithmes qui sont utilisés par des acteurs privés, et ça d'ailleurs depuis de longues dates, puisque avant les plateformes, les banques, elles utilisaient des algorithmes pour vous accorder votre prêt, etc., etc. Donc les acteurs privés utilisent des algorithmes. Et puis enfin, évidemment, il y a les plateformes avec alors les acteurs privés, il faut distinguer différents types d'acteurs privés. Il y a des et parmi eux, il y a les plateformes. Mais les plateformes ne sont pas les seules à utiliser des algorithmes. Je voudrais insister sur ce point. Et par ailleurs, les plateformes, elles ont, elles, des modèles, en fait, qui peuvent être assez différents. Ça a été rappelé par Sylvie Hubach ce matin. C'est-à-dire que à la fois, on a des plateformes qui sont des plateformes
de mise en relation des plateformes qui ont fait une nature de média et qui fonctionnent sur un marché de l'attention. Mais on a des plateformes qui sont très différentes, qui sont des plateformes de type place de marché. Donc elles ne font pas du tout la même chose. Amazon, ce n'est pas du tout la même problématique de régulation. On met souvent le terme de plateforme, mais en fait, ils font des choses différentes. Et puis, enfin, il y a des plateformes qui sont des plateformes de services, donc des prestataires de services qui vous rendent des services et qui, en vous rendant des services, effectivement, collectent de l'information. Alors, ça devient notamment très compliqué ou très sensible à partir du moment où ces plateformes de services... Elle collecte beaucoup d'informations personnelles, et là, ça peut être les banques et l'ensemble des services financiers, mais aussi tous les acteurs des systèmes de santé, qui ne sont pas tous aussi publics, d'une certaine manière, que celui qu'on a en France dans de très nombreux pays. Et donc, on voit que, en fait, tous ces problèmes d'algorithmes méritent d'être analysés finalement dans des contextes assez différents. On peut se dire, mais bon, finalement, tous ces algorithmes qui prennent des décisions, d'abord, ils ne prennent pas toujours des décisions tout seuls, c'est-à-dire que souvent, ils suggèrent des décisions, mais il y a bien un humain, un moment, qui va s'assurer que la décision n'est pas totalement aberrante, etc., etc. Bon, en même temps, on le sait avec nos smartphones, hein, la décision qui nous est suggérée, elle est tellement pratique, en quelque sorte, qu'on a tendance à pas trop vérifier, précisément, par exemple, s'il y avait une meilleure course moins chère chez le concurrent d'Uber au moment où on a cherché à faire notre course. Donc pourquoi un jury universitaire se vérifierait finalement, sauf à la marge ou sauf au moment où il y a une plainte, ce qu'a fait l'algorithme. Donc effectivement, un des grands sujets, c'est de se dire, effectivement, on peut mettre en place, comme dans l'ensemble des processus de décision humains, parce que finalement, il n'y a pas que les algorithmes qui peuvent se tromper. Les algorithmes peuvent se tromper, bien entendu, ils peuvent être biaisés, ils peuvent faire des erreurs. Enfin, les humains aussi. Et c'est la raison pour laquelle, en général, on a des systèmes d'appel dans nos systèmes de décision, des systèmes de décision collégiale, etc. Et donc, évidemment, on peut se dire, après tout, il suffit de mettre en place des dispositifs qui vérifient ce que les décisions prises ou les résultats de ces décisions dans les cas où c'est les interactions des algorithmes qui posent des problèmes. Mais là, il y a deux points qui sont un peu spécifiques au numérique qu'il faut signaler. Le premier point, c'est le délai, l'extrême rapidité de la prise de décision numérique, qui fait que parfois il est bien trop tard, hein, c'est-à-dire la procédure d'appel, elle va arriver trop tard. Par ailleurs, elle peut être coûteuse à mettre en œuvre pour celui qui a été victime d'une décision et finalement il laisse tomber, etc. Donc c'est là que, évidemment, ça peut poser des problèmes. Et puis, par ailleurs, un autre problème, c'est qu'effectivement, in fine, pour contrôler ce qui a été le type de décision qui a été prise, etc., on aimerait bien aller dans... Alors, comme on ne peut pas contrôler ex ante, eh bien, on essaye de demander, en fait, aux opérateurs de contrôler eux-mêmes leurs algorithmes. Et évidemment, ça pose un problème. Alors, ça a été évoqué dans la table ronde précédente. Mais fondamentalement, ça pose un problème, non pas parce qu'il faut s'attendre à ce que les opérateurs soient trop laxistes. En réalité, il faut surtout s'attendre à ce que les opérateurs, en fait, pour se protéger contre les risques et pour protéger leurs responsabilités, en fait, soient beaucoup trop, en fait, ne respectent pas les droits. Et ça a été démontré par maints travaux universitaires, par exemple, sur ce qui se passe sur la plateforme YouTube, où en fait, les algorithmes suppriment des contenus. Parce que l'algorithme repère qu'il y a des matériels protégés dans le contenu, mais ne tient pas compte du fait que, par exemple, c'est une critique, ou ne tient pas compte du fait que c'est du sampling, etc., et qu'en réalité, c'est tout à fait... c'est à la fois licite et que ça correspond, en fait, aux pratiques courantes, etc. Donc il y a des points qui sont très importants. Et alors, on va essayer d'éclairer un peu ce débat qui, comme vous le voyez, est très complexe et qui, évidemment, en une heure et demie, ne pourra qu'être effleuré. Je vais
d'abord donner la parole à Jamal Latif, qui est professeur à l'université Paris-Dauphine et qui est l'un des responsables d'un projet très important d'intelligence artificielle qui s'appelle Prairie, et qui par ailleurs pour le CNRS est un des conseillers en fait sur le développement de l'intelligence artificielle, et donc qui va nous donner un peu son, qui connaît très bien justement aussi ces interactions très étroites qui existent en matière de recherche entre le monde universitaire et les grands acteurs du numérique comme Facebook ou Google, hein, comme vous le savez peut-être, Google et Facebook emploient de très nombreux universitaires qui ont un espèce de statut hybride entre le public et le privé pour faire de la recherche sur l'intelligence artificielle. Et ça s'explique très bien, c'est les moyens dont ils disposent chez les grands opérateurs numériques leur permettent effectivement de faire avancer l'intelligence artificielle. Et donc les acteurs du numérique, les acteurs de la recherche sur l'intelligence artificielle sont particulièrement clés dans dans ces questions d'évolution de la gouvernance et de la régulation de l'intelligence artificielle et du numérique en général, parce que précisément ils sont au cœur de cette interaction entre le public et le privé. Donc Jamal, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Alors je précise, je reste académique, donc je ne suis pas à la fois. Non, mais tu connais très bien, j'ai dit. Non, je suis très attaché au monde académique et au service public. Mais tu as raison, on a pas mal de projets en commun avec ces grands acteurs qui deviennent un peu clés partout dans le monde et en particulier ici en France et à Paris depuis quelques années. Alors, moi, mon intervention, alors j'espère qu'elle ne sera pas trop technique ou trop boîte noire, parce que le but aussi, c'est d'expliquer la boîte noire de ces algorithmes. Et donc, je vais quand même repartir de la question que tu as posé, de quels algorithmes on parle ? Est-ce qu'il y a une taxonomie d'algorithmes ? Je pense qu'il faut bien préciser les questions, le débat. Il y a une grande confusion parfois quand on parle d'algorithme, ce n'est pas un terme nouveau, c'est schématisant, mais l'idée à la base, c'est de se dire comment je prends une procédure, je vais la disséquer en sous-étapes et je vais exécuter ces sous-étapes. Donc ça, c'était l'idée ancienne des algorithmes. Il existe des algorithmes comme cela, hein, ce sont des algorithmes déterministes, la recette des cuisines ou autre. Alors, avec la complexité du monde, on a conçu des algorithmes un peu stochastiques, statistiques. Ça veut dire que ce n'est pas déterministe. Il n'y a pas une formule logique derrière qui peut résumer l'algorithme. Donc, on a fait des choses intéressantes avec ça, hein, même des choses très critiques, piloter un avion ou autre. Et maintenant, on parle d'algorithmes et ça rajoute un peu de confusion. Les algorithmes dont on parle aujourd'hui, ce sont des algorithmes qui ne sont ni déterministes ni purement stochastiques, mais ce sont des algorithmes qui émergent des données. D'accord ? L'algorithme ne préexiste pas à la donnée. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir cette interaction autour données-algorithmes. Alors, effectivement, Eric, tu as dit que la donnée n'existe que parce qu'elle est traitée par un algorithme, mais il se trouve que les algorithmes aujourd'hui, je vais dire le mot d'intelligence artificielle, que je vais essayer de préciser quand même, hein. Donc ces algorithmes-là ne préexistent pas, donc ils émergent des données. Ce que l'on développe, nous, c'est une sorte de procédure de performance de ces algorithmes que l'on contrôle. D'accord ? Et une fois qu'on a défini cette performance, c'est la donnée qui précise, on parle, nous, de frontières de décision, de la décision qui va être prise. Donc du coup, il faut bien se poser de quels algorithmes, et aujourd'hui, force est de constater, c'est que l'on parle de ces algorithmes-là, et on parle d'intelligence artificielle, qui n'est pas un domaine nouveau. C'est un domaine, alors il y en a qui disent, qu'il a émergé pendant les années 50, on peut le dater un peu avant, ça s'appelait la cybernétique, tout ça c'est un mouvement de fond avec des hauts et des bas, et l'intelligence artificielle c'est un domaine beaucoup plus large avec cette idée de se dire, est-ce que l'on peut, quelque part, si on arrive à la définir, mettre une sorte d'intelligence sur machine ? Alors ça on peut le faire de différentes façons. Il se trouve qu'il y a un domaine en particulier, je ne vais pas rentrer dans la complexité du domaine, on n'a pas le temps, qui s'appelle le machine learning, ça a été évoqué. Et aujourd'hui, quand on parle des algorithmes, quand on parle des algorithmes des plateformes, des algorithmes d'aide à la décision, de prise de décision à partir des données, on parle de ces algorithmes d'apprentissage automatique. Donc l'idée, c'est comment apprendre à partir des données, de proposer des décisions et parfois de les prendre. Et en soi, c'est un domaine complexe. Comment on peut faire ça ? Soit j'ai des données historiques, étiquetées, et l'idée c'est de
trouver des corrélations, j'insiste sur le terme corrélation, pour faire des prédictions. Donc, il me faut ces données. Et donc, ça, c'est très important parce que ce ne sont pas des. Alors, c'est pas de l'intelligence artificielle générale. Il y a quelqu'un qui choisit les données, qui annote les données. On peut sous-traiter les données, cet étiquetage. On peut utiliser des humains pour ça. Alors, ça, c'est un domaine qui s'appelle l'apprentissage supervisé. La supervision vient juste du fait que ce sont ces données qui sont étiquetées. C'est là la phase de supervision. Après, il y a le concepteur des algorithmes qui donne ça de façon générale. Il n'a aucune idée parfois de l'utilisation qui va en être faite. Ça peut être reconnaître des images, recommander quelqu'un pour un crédit, recommander un traitement, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un domaine fondamental, et je pense que c'est de ce domaine-là dont on parle très souvent, de l'apprentissage supervisé. À côté de cela, il y a un autre domaine, qui est l'apprentissage non supervisé. Cette fois-ci, on n'a pas cette étiquette face aux données. D'accord ? C'est beaucoup plus complexe. On demande à l'algorithme d'être beaucoup plus, entre guillemets, intelligent. Il faut minimiser le terme intelligent. Il n'y a rien d'intelligent, à mon sens. C'est de trouver des catégories, de trouver qu'est-ce qui explique les données, qu'est-ce qui fait que ce que j'observe vient de quelque chose, d'un modèle du monde, si je puis me permettre le terme. Et à côté de ça, on a d'autres. Alors, la catégorisation, on ne peut pas pouvoir toute la faire, mais il y a un troisième domaine qui est important, c'est l'apprentissage par renforcement. C'est d'ailleurs derrière ce domaine-là qu'on a eu les succès, dont le Go, et l'idée de pouvoir avoir des voitures autonomes à un moment donné. L'apprentissage par renforcement, cette fois-ci, on n'a pas des données, mais on apprend de l'expérience. Et c'est simple. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je peux implémenter un algorithme qui va marcher par essai-erreur, bâton et carotte. Et l'idée, c'est, prenons un robot qui va se déplacer dans cette salle, au début, il va beaucoup se tromper parce qu'il va se cogner. Mais plus il apprend, plus il va apprendre une certaine stratégie à long terme. Alors, ce sont des algorithmes qui peuvent être aussi utilisés pour la sélection de portefeuilles, pour faire de l'investissement en économie ou autre. Et on voit d'autres domaines de l'apprentissage automatique émerger, comme ce qu'on appelle l'autosupervisé. Alors, avec l'idée de se dire, les données massives étiquetées, elles sont peu nombreuses. Maintenant, est-ce que je peux avoir un algorithme à partir de peu de données supervisées, il va en générer d'autres pour s'améliorer. Et voilà, donc l'idée, c'est de se dire, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait ? À partir d'une expérience, à partir de données supervisées, il va améliorer une sorte de fonction objectif interne, sa capacité. Et la question qui se pose, est-ce que cette capacité, cette métrique de capacité interne de l'algorithme, va avec la question de la régulation ? Et donc là, ça se pose la question de régulation. Quand on veut réguler un algorithme, est-ce que c'est compatible ou pas avec les performances de l'algorithme ? Je vais prendre juste un exemple pour préciser mon propos. Le dernier algorithme qui a été déployé, implémenté il y a quelques mois, fruit d'une collaboration sans précédent entre Microsoft et OpenAI, c'est pour faire de la génération automatique du langage. C'est très impressionnant, ça s'appelle GPT-3. Pour la première fois d'ailleurs, ça mérite une réflexion, on a un algorithme fermé. Jusqu'à présent, tous ces algorithmes dont on parle, ils sont ouverts. Je pose après la question de la transparence, ce n'est pas parce que c'est ouvert que c'est transparent. Et donc cet algorithme fermé, soi-disant parce qu'on a atteint un niveau d'intelligence de cet algorithme qui devient dangereux en termes de manipulation d'opinion. Elon Musk et les patrons de Microsoft, ils ont dit, on touche quelque chose de dangereux. C'est 175 milliards de paramètres. Pour trouver ces 75 milliards de paramètres, il faut faire tourner l'algorithme des milliards de fois pour les trouver. Alors, au-delà de la question écologique, ça veut dire pour implémenter cet algorithme, on a eu les ressources d'OpenAI, de Microsoft, mais aussi du plus grand supercalculateur américain qui s'appelle Summit. Et c'est un système fermé. D'accord ? Donc c'est une question assez importante. Donc 175 milliards de paramètres, maintenant quand on veut auditer, on va essayer de définir ce que ça veut dire auditer, est-ce que l'on peut auditer un système avec 175 milliards de paramètres ? Ma réponse à moi, c'est impossible. Mais on va voir qu'il y a des techniques. Je vais essayer de dresser un peu l'état de l'art de comment faire quand on parle d'auditer ces algorithmes. Alors, auditer un algorithme, ça a un préalable. C'est la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire, transparence ? Qu'est-ce que ça veut dire, interprétable ? Un algorithme interprétable. Un algorithme transparent, ce n'est pas juste donner le code source. D'accord ? On peut donner le code source de Parcoursup. C'est très bien, donc on peut l'interpréter. Mais ça ne veut pas dire qu'un algorithme comme... La transparence de l'interprétation, c'est toujours lié à la complexité du modèle. Même une formule logique,
si je peux l'écrire simplement, c'est les très grandes, beaucoup de récursions, elle n'est pas interprétable. D'accord ? Donc il faut un modèle parcimonieux. L'état des faits aujourd'hui, c'est que plus le modèle est complexe, plus il a des performances internes très fortes. Mais par contre, plus il est complexe, moins il est interprétable. D'accord ? Donc on est dans cette ligne de crête-là. D'accord ? Donc du coup, quand on dit transparence, ça ne veut pas dire donner, pour revenir sur ce point, ça ne veut pas dire ouvrir le code source. C'est de se dire que font les paramètres, qu'est-ce que fait l'algorithme. D'accord ? Et là, la question se pose, qu'est-ce que fait l'algorithme et pour qui je suis en train d'expliquer ? À qui je suis en train d'expliquer ? Si j'explique à un mathématicien, à un algorithmicien, c'est différent que d'expliquer à l'état régulateur ou à la personne sur laquelle porte la décision. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que ces algorithmes-là, donc on parle désormais d'apprentissage profond, qui sont les plus performants, qui ont besoin d'une quantité gigantesque de données, des capacités de calcul inimaginables, ils ne sont pas interprétables par nature. D'accord ? Ils ne sont pas... Quand je veux regarder l'état interne du modèle, tel que nous on le visualise, c'est tellement d'opérations complexes, faites des milliards de fois, qu'il est juste impossible de rendre la chose transparente. Mais cela ne veut pas dire qu'un modèle simple, par exemple, si un modèle simple, je mets des poids sur des caractéristiques d'une personne pour lui accorder un crédit. Plus j'ai des caractéristiques, plus ces poids sont complexes et moins c'est interprétable. Donc il faut aussi sortir du mythe qu'un modèle simple est aussi interprétable. D'accord ? Tout dépend, in fine, de quelles sont les caractéristiques que je donne en entrée et quelles sont, quand on dit caractéristiques, c'est la caractéristique d'une personne qui demande un crédit. Donc quel âge, sexe, emploi. Et donc en général, ce n'est pas sur ces caractéristiques-là qu'on met des poids pour prendre une décision. Ce sont sur des transformations de ces caractéristiques. Je reviens sur mes 175 milliards, voyez ça comme 175 milliards de fonctions complexes que j'applique. Donc, en soi, un modèle n'est pas explicable, n'est pas transparent. Et donc, est-ce qu'on abandonne ? On se dit il y a des champs critiques sur lesquels on ne va pas pouvoir appliquer ces algorithmes, des champs où le législateur a son rôle à jouer, et on laisse ça pour faire de la recommandation de chaussures sur Internet. Et on se dit ce n'est pas grave. Ou alors, on se pose clairement la question, est-ce qu'on les déploie dans des domaines critiques, le domaine légal, juridique, le domaine de la santé, en tout cas tous les domaines critiques qui nous concernent. Donc du coup, cette idée de la transparence, à mon sens, elle est complexe, on n'arrive pas à la bien définir. En tout cas, on n'a pas encore des solutions pour ça. Quand on parle d'auditabilité, est-ce qu'à un moment donné, je peux faire du test sur mon algorithme ? Est-ce que je peux faire ce qu'on appelle du post-hoc. J'admets que le modèle en soi est complexe. Par contre, est-ce que je peux le questionner pour savoir pourquoi il a pris telle ou telle décision ? Donc, je raisonne en boîte noire. Alors, il se trouve qu'il y a quelques approches pour ça, des approches plutôt globales ou des approches locales. Les approches plutôt globales, c'est de se dire, c'est toujours amusant, on a un modèle qui apprend à prédire, à classer, et j'ai un modèle par-dessus qui apprend à interpréter, voire même générer en langage naturel ce que fait l'algorithme, l'état interne de l'algorithme. Alors il y a des travaux là-dessus, on n'est pas à l'aboutissement de quelque chose. Mais là se pose une question fondamentale. On parle presque de la vérification d'algorithme. C'est-à-dire l'algorithme qui me donne l'interprétation, je dois lui demander beaucoup plus que l'algorithme qui prédit, parce que celui-ci ne doit pas se tromper. D'accord ? Et donc ça c'est une question délicate. Et il se trouve que si on apprend un réseau de neurones qui supervise pour générer des explications, est-ce que je fais confiance à ce réseau de neurones ? Et donc cette question de confiance dans les réseaux de neurones, qui sont les algorithmes les plus performants, elle n'est pas résolue parce que, d'abord, mathématiquement et informatiquement, on ne comprend pas grand-chose, il faut être humble. Donc la technologie dépasse, en tout cas, elle est en avance par rapport à la science sur ces domaines-là. Il fonctionne très très bien, parfois... à mieux reconnaître des visages, des images que l'humain. Mais on ne sait pas. Alors, nous, on parle de propriétés de convergence, de propriétés mathématiques des algorithmes, on n'en a pas. Il y a même des mystères qu'on a encore du mal à expliquer. Donc, du coup, on en est loin. On en est loin pour arriver à déployer ces algorithmes. L'autre approche, c'est de se dire, est-ce que je peux faire de l'explication post-hoc locale ? C'est-à-dire, je prends un exemple, la personne sur laquelle je veux faire une prédiction, et je demande à l'algorithme
si je change telle ou telle caractéristique, est-ce que l'algorithme va changer sa décision? Et donc, c'est un moyen détourné de se dire, si la personne a été classée comme étant solvable ou pas, c'est parce qu'elle a telle ou telle caractéristique. Donc, ce sont des travaux en cours, mais là encore, il faudrait avoir des propriétés fortes de ce type d'algorithme. Et je vais revenir sur un point, quand j'ai dit que les algorithmes, les réseaux de neurones, il y a beaucoup de choses qu'on comprend encore mal, sont des algorithmes très vulnérables. Ce n'est pas étonnant. Plus on a de paramètres, plus l'algorithme est vulnérable. C'est-à-dire, si je change un paramètre, ben, il va changer complètement de décision. Il se trouve que, depuis quelques années, on a découvert une propriété particulière de ces algorithmes, c'est qu'ils sont vulnérables aux attaques adverses, aux attaques malicieuses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je peux présenter une image à l'algorithme, il va bien la classer. Je change un pixel ou deux pixels dans cette image, et il va complètement se tromper de décision, et pas juste se tromper en disant, bah, peut-être à 60% je me trompe. Non, il se trompe complètement, mais avec un degré de confiance de 90%. Et donc c'est un phénomène qu'on a découvert, sur lequel on travaille, qui pose la question de la confiance. Quelle confiance j'accorde à cet algorithme? Et quand on regarde de près et quand on fait de la recherche là-dedans, on se rend compte que c'est presque consubstantiel de ces algorithmes. Plus ils sont complexes, plus ils sont vulnérables à ces attaques. Donc, en résumé, enfin, je ne veux pas dresser un tableau noir, mais se pose la question de la confiance propre à l'algorithme. Ils sont vulnérables, manque de robustesse. Il y a un mythe de l'interprétabilité ou de l'explicabilité. On utilise ça dans une confusion générale, interprétable, explicable, auditable. L'auditabilité, c'est un degré plus élevé, évidemment. Et on parle d'intelligence artificielle, pardon du terme, en mettant dedans tout. Donc il faut bien préciser la chose, c'est plutôt des algorithmes d'apprentissage automatique. Alors, évidemment, là, il faut prendre un peu de recul et de voir pourquoi on est dans cette confusion. C'est que c'est aussi un modèle économique des grandes entreprises. C'est un modèle de marketing, de se dire, nous, on est détenteurs de ces algorithmes. On fait l'intelligence artificielle, donc ça leur donne une valeur intrinsèque. Donc réfléchissons aussi à cela et de savoir de quoi on parle. Et je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas déborder sur mon temps. Et je peux répondre aux questions après. Merci. Bon, merci beaucoup, Jamal, pour cet exposé extrêmement brillant et éclairant sur ce qu'est l'apprentissage automatisé, l'intelligence artificielle. Et on voit bien que tout de suite, ça pose des problèmes un peu incommensurables et difficiles à résoudre pour les décideurs, que le décideur soit le juge ou que le décideur soit le politique. Comment contrôler ces machines, si je puis dire, incontrôlables? Comment les réguler? Alors, pour essayer de comprendre où on en est aujourd'hui, sachant que, on l'a déjà dit ce matin, ce sont des domaines extrêmement évolutifs et donc les algorithmes qui font souvent l'objet aujourd'hui de contentieux, ce ne sont pas forcément ces algorithmes issus de l'intelligence artificielle. Parfois, ce sont des algorithmes très traditionnels. Mais néanmoins, il est intéressant de savoir comment et d'essayer de comprendre comment le juge s'en saisit, comment le politique s'en saisit. Et donc, les quatre interventions qui suivront insisteront sur ces aspects-là. Alors, on va commencer par une intervention de Joris Plingers de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, je l'espère, est en ligne et va apparaître. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Oui. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Bon, je vais aborder le sujet vraiment dans un angle, j'ai l'impression, complètement différent. Donc, donc ce sera sur cette question de régulation des algorithmes par l'angle de la protection des données à caractère personnel et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, c'est un sujet évidemment qui a sa naissance ensemble avec le développement des bases de données des algorithmes déjà dans les années 70, où il y a déjà le comité des ministres du Conseil de l'Europe qui a adopté la première résolution relative à la protection de vie privée des personnes physiques vis-à-vis des banques de données électroniques. Et on constate que la protection des données à caractère personnel est en effet un élément important dans la réponse aux défis posés par l'utilisation
des systèmes informatiques, des algorithmes et évidemment les données qui sont nécessaires pour les développer, donc notamment les données à caractère personnel. La protection des données à caractère personnel est un outil pour encadrer cette utilisation. Et donc, également au niveau communautaire, donc avant la création de l'Union européenne déjà, il y a déjà plusieurs actes qui ont été adoptés. Tout d'abord, pour assurer l'achèvement du marché intérieur, la libre circulation des données. On a constaté qu'il fallait non seulement assurer la libre circulation des données à caractère personnel, mais également assurer la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes. Et donc, ça a mené à la création de plusieurs actes qui ont évidemment fait l'objet d'une interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce droit à la protection des données à caractère personnel est également inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 ou l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui stipule également « toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ». Actuellement, tout ça s'est développé plus en détail dans le règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a surtout un droit qui nous intéresse en particulier, c'est le droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée, qui est à l'article 22 du règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Ce droit est aussi lié à l'obligation de transparence imposée aux responsables de traitement. Parce que lorsque un traitement de données implique une prise de décision automatisée ou un profilage, le responsable du traitement doit en informer la personne concernée. Je reviens à la jurisprudence. Donc, la Cour de justice n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer directement sur les mises en œuvre de ces deux droits que je viens de mentionner, au moins pas le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée. Mais il y a plusieurs d'autres arrêts et on peut quand même y découler quelques éléments intéressants. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans le domaine informatique. Comme je dis, c'est un droit fondamental, c'est lié au droit à la vie privée. Juste plutôt de manière anecdotique, parce qu'on ne se limite pas forcément à le domaine informatique. C'est déjà en 1969, la Cour de justice a dû répondre à une question s'il fallait considérer comme compatible avec les principes généraux du droit communautaire en vigueur le fait qu'une décision de la Commission lie la cession de beurre à prix réduit aux bénéficiaires de certains régimes d'assistance sociale à la divulgation du nom du bénéficiaire au vendeur. Donc, évidemment, on est loin d'un système informatique, il s'agit d'un bon papier, mais déjà à cette époque-là, cette question de protection des données à caractère personnel se posait déjà d'une certaine manière à la protection de la vie privée. Et donc, c'est un droit qui est important pour la Cour de justice et qui fait l'objet donc, de plusieurs arrêts. Pour revenir plus à la question sur les algorithmes, l'utilisation et le contrôle de ces algorithmes, une première affaire intéressante, c'est un avis. L'avis de la Cour de justice 1.15 qui concerne un accord de transfert et de traitement des données de dossiers passagers envisagés entre l'Union européenne et le Canada. C'est l'accord PNR ou Passenger Name Record. Cet accord prévoyait le transfert systématique des données PNR de l'ensemble des passagers aériens à une autorité canadienne en vue de leur utilisation dans le but de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale. Ces données étaient destinées à être analysées de manière systématique avant l'arrivée de l'avion par des moyens automatisés. Donc, un tri qui est fait pour identifier éventuellement des personnes susceptibles. Donc, évidemment, il s'agit d'un algorithme. Et le résultat de ces analyses automatisées peuvent donner lieu à la vérification supplémentaire aux frontières et même le cas échéant à l'adoption de décisions individuelles, comme notamment des interrogations ou éventuellement un refus d'accès au territoire. Donc les conséquences pour les personnes concernées peuvent donc être considérables. La Cour a constaté que l'étendue de cette ingérence que comportent ces analyses automatisées dans le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel dépend essentiellement des modèles et des critères préétablis, ainsi que des bases de données sur lesquelles se fonde ce type de traitement. Et donc, sur cette base, la Cour a imposé des exigences spécifiques. Déjà, il faut que les critères préétablis soient spécifiques et fiables. Il faut qu'ils permettent d'aboutir à des résultats ciblant bien les individus à cibler. Donc, dans ce cas-là, les individus pour lesquels on pouvait soupçonner, avoir un soupçon raisonnable de participation à des infractions terroristes ou de criminalité grave. Et les critères doivent également être non discriminatoires.
Un autre élément important, c'est que pour assurer cette fiabilité et l'actualité des modèles, un examen régulier doit avoir lieu en tenant compte des données statistiques et des résultats de la recherche internationale. Donc, c'est déjà quelques avis sur la qualité d'un algorithme qu'on peut retrouver dans la jurisprudence. Et la Cour l'a répété un peu dans le même cadre, toujours dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave, dans une affaire plus récente, la Quadrature du Net, où cette affaire concerne le traitement de données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques. Donc, c'est un autre acte communautaire de l'Union européenne. Et notamment, la mise en œuvre sur les réseaux de communication des traitements automatisés destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Donc, c'est une obligation imposée aux fournisseurs de communication électronique par la législation nationale. Et donc, ces fournisseurs devaient effectuer un filtrage de toutes les données relatives au trafic et de données de localisation afin d'identifier d'éventuels éléments importants donc, et de transmettre aux autorités nationales. Donc, les fournisseurs de services de communication, ils agissent ici sur des instructions des autorités nationales qui, eux, sont donc responsables de ce traitement. Et là également, donc évidemment, il faut avoir des règles claires et précises qui offrent des garanties suffisantes pour les personnes concernées. Et d'autant plus que, ici, il y a un risque d'avoir éventuellement un accès illicite aux données, donc ce sont des données qui sont sauvegardées. Si l'algorithme identifie une fausse personne, on va accéder à ces données, et ça de manière illicite pendant que ce n'est pas nécessaire. La Cour a également précisé que le fait qu'une analyse automatique ne permet pas en tant que telle d'identifier une personne ne fait pas obstacle à ce que les données sont quand même qualifiées comme des données à caractère personnel, notamment dans ce cas ici, parce que le but, c'est évidemment d'identifier la personne par la suite, lorsqu'il ces agissements sont identifiés comme suspects. Et donc, même dans cette masse de données, si on ne peut pas directement identifier une personne, il s'agit quand même de données à caractère personnel. Ça correspond à l'approche générale suivie par la Cour, de donner une interprétation large à la notion de données à caractère personnel. Par exemple, dans l'affaire Breyer, il est indiqué qu'il n'est pas exigé que toutes les informations permettant d'identifier une personne se trouvent entre les mains d'une seule personne. Donc, il suffit, si on a la possibilité, en s'adressant à une autre personne, d'identifier ou une autre base de données, d'identifier quelqu'un, les données d'origine restent des données à caractère personnel et doivent bénéficier de la protection qui s'ensuit. En ce qui concerne la transparence, la Cour a également souligné l'importance de fournir une information au moins de nature générale à l'ensemble des personnes concernées, et une information individuelle sera requise lorsqu'on procède à l'identification d'une personne. Au moins, il faut donner cette information quand elle n'est pas susceptible de compromettre évidemment les missions poursuivies. Donc, dans le cadre d'une enquête, si on ne peut pas contacter la personne pour l'informer qu'on est en train de l'enquêter, évidemment, il ne faut pas le faire. Un autre élément important qui a suscité l'intérêt de la Cour, c'est le taux d'erreur qui était considéré comme inévitable dans ce genre de traitement. D'éventuels résultats positifs doivent être soumis à un réexamen individuel par les moyens non automatisés dans ce cadre, avant qu'on puisse adopter une mesure individuelle. Encore une fois, la fiabilité et l'actualité des modèles et des critères préétablis, ainsi que les bases de données utilisées, doivent faire l'objet d'un réexamen régulier. C'est que dans ces deux cas d'utilisation que je viens de mentionner, ça relève du monde de la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave par les autorités nationales, donc c'est un cadre assez spécifique. Mais également en ce qui concerne les opérateurs privés, la jurisprudence de la Cour contient quand même quelques éléments intéressants en ce qui concerne la régulation des algorithmes, et notamment en matière de responsabilité. Et à cet égard, je fais référence à la règle Google SPIN, qui est notamment connue pour le droit au référencement. Et ce droit a été d'ailleurs ensuite repris dans le règlement général sur la protection des données à caractère personnel. La Cour a tout d'abord précisé que l'activité d'un moteur de recherche, qui utilise nécessairement un algorithme pour analyser la page web et afficher les résultats pertinents,
doit être qualifié comme un traitement de données à caractère personnel lorsque les informations affichées contiennent des données à caractère personnel. En effet, cet algorithme consiste à trouver les informations publiées ou placées sur Internet par les tiers, les indexer, les stocker et enfin à les mettre à disposition des autres internautes selon une ordre de préférence. Et l'exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le responsable du traitement. Dans ce cas, même un traitement initialement licite de données exactes, donc à l'aide de l'algorithme du moteur de recherche, peut devenir avec le temps problématique lorsque ces données affichées ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Tel est notamment le cas lorsqu'elles apparaissent inadéquates avec le temps, qu'elles ne sont plus pertinentes ou sont excessives au regard de sa finalité. Et donc, ici encore, les résultats d'un algorithme, donc ici un algorithme de recherche, doivent être adaptés et mis à jour afin d'assurer le respect des principes de la protection des données à caractère personnel. Bon, dans le cas d'un moteur de recherche, cette mise à jour est faite à la suite des demandes des référencements de personnes concernées. Ce déréférencement, c'est-à-dire, concerne uniquement évidemment le résultat des moteurs de recherche et pas nécessairement le contenu des pages qui ont été indexées. Dans d'autres affaires, la Cour a également se prononcé sur la notion de responsabilité. Par exemple, dans l'affaire Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, la Cour de justice a décidé que les opérateurs de pages dites « fans » sur Facebook, ainsi que les réseaux sociaux, sont responsables du traitement de données à caractère personnel des visiteurs du site. En particulier, l'opérateur est impliqué dans le traitement de données personnelles des visiteurs de sa page « fans » par le biais du paramétrage et la collecte des données. Des données qui sont ensuite transférées à Facebook, qui évidemment, lui, les stocke dans sa base de données pour compléter ses informations sur l'ensemble de la population. Et cette compréhension, donc cette responsabilité partagée, contribue à une protection plus complète des droits des utilisateurs. Donc, si également celui qui exploite une page Internet et utilise Facebook a également une responsabilité vis-à-vis des utilisateurs. Mais cette responsabilité ne voit pas sans limite. Par exemple, dans l'affaire Fashion ID, où c'était le cas d'un gestionnaire d'un site qui utilisait un logiciel, de nouveau de Facebook, le bouton J'aime, il est responsable du traitement qui découle de l'utilisation de ce bouton. Parce qu'également, ce bouton conduit le transfert de données à caractère personnel vers Facebook, et Facebook utilise ces données ensuite pour améliorer ses algorithmes. Mais la responsabilité est cependant limitée. On se limite, cette responsabilité se limite à l'opération dont les gestionnaires du site web déterminent effectivement la finalité et les moyens, à savoir la collecte et la communication par transmission des données en course. Et donc, cette personne ne peut pas être tenue responsable pour ce que Facebook fait éventuellement par la suite de ces données, sauf si évidemment la personne demande un certain traitement de ces données. Donc, selon la Cour, il apparaît exclu que les gestionnaires du site déterminent les finalités et les moyens des opérations de traitement de données à caractère personnel ultérieures effectuées par Facebook après leur transmission à cette dernière. De sorte que le gestionnaire du site ne peut pas être tenu considéré comme étant responsable de ces opérations spécifiques. Donc avec ce bref sommaire, donc le jurisprudence de la Cour contient donc ces quelques indications sur l'utilisation des algorithmes, que ce soit au niveau de leur fonctionnement, qui est donc un fonctionnement qui doit être fiable, non discriminatoire et aussi transparent, il faut fournir une information aux personnes concernées, ou la responsabilité pour leur utilisation, ce qui doit évidemment être évalué selon le cas d'espèce, mais pour lequel une interprétation large, au moins dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, semble le plus approprié. Voilà, donc ça c'est juste un bref aperçu de la jurisprudence de la Cour à cet égard. Et sans doute dans le futur, il y a d'autres arrêts sur ce sujet. Mais ça c'est un peu l'état de la jurisprudence au jour d'aujourd'hui. Donc, merci, voilà, ça c'est le fin de mon intervention. Merci. Merci beaucoup, Joris Plingers, pour ce panorama de l'état de l'art au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. On va maintenant se pencher sur
l'état de l'art, d'une certaine manière, au niveau du Conseil d'État, avec une intervention d'Alexandre Lallet qui va nous parler en fait du contentieux administratif autour des algorithmes et d'une manière plus générale en fait de la régulation juridique des algorithmes de l'administration. Voilà, ça y est. Merci professeur, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord saluer l'audace qui consiste à donner la parole à un membre du Conseil d'État sur un sujet comme celui-là, sur le contrôle des algorithmes, alors que, comme vous l'avez vu, le Wi-Fi n'est pas déployé au Palais Royal, que tous les recueils Le Bon ne sont pas numérisés, et surtout que quand on regarde plus sérieusement, quand on regarde la jurisprudence, la base de jurisprudence du Conseil d'État, Ariane, on s'aperçoit que sur 172 406 décisions enregistrées, on trouve 17 qui contiennent le mot algorithme, c'est-à-dire moins de 0,01%. Et encore, quand on exclut les occurrences de pur contexte, on tombe à deux décisions de principe qui sont fichées au recueil Le Bon, l'une qui porte sur Parcoursup et l'autre sur la procédure fiscale. C'est une décision Lagon Bleu de 2018. Sans doute que l'algorithme de la base de jurisprudence Ariane n'est pas le plus perfectionné qui soit, mais enfin, on peut quand même en conclure que ce sujet-là, le contrôle des algorithmes, reste un sujet complètement marginal à ce stade dans la jurisprudence administrative. Et finalement, le juge, c'est un peu comme la machine. La machine, si on l'apprend à classer des chats, elle ne saura pas classer des chiens. Le juge, lui, ses données d'apprentissage, c'est largement les affaires contentieuses qu'on lui soumet. Et on vient de voir qu'elles sont assez rares. Alors c'est vrai qu'il a d'autres activités, le juge, hein, il peut enlever sa toge et avoir une vraie vie hors du prétoire. Mais enfin, statistiquement, il s'intéresse plus à la culture classique et au sport qu'à la programmation sur Python. Donc c'est vrai qu'au total, finalement, le juge, il a une connaissance assez médiatique de la question de l'intelligence artificielle, du machine learning. Il sait presque que c'est le deep learning, peut-être. Enfin, il ne sait pas du tout comment ça marche en réalité, comment on construit des réseaux de neurones artificiels ou comment bosse un data scientist. Donc il faut être assez modeste en la matière. D'ailleurs, il a une idée assez confuse de la manière dont il pourrait utiliser à son propre profit, dans son activité professionnelle, l'intelligence artificielle, même si, je le signale quand même, la DSI du Conseil d'État est en train de développer un outil de détection des séries basé sur de l'apprentissage automatique. Donc c'est un premier pas dans l'intégration de cette technologie dans l'activité juridictionnelle. Il se trouve que finalement, peut-être par des formations professionnelles, le juge administratif, il a plus conscience des risques. On en a beaucoup parlé. Les risques dont l'étude du Conseil d'État de 2014 sur le numérique et les droits fondamentaux se fait l'écho, des risques qui s'attachent à l'utilisation abusive des algorithmes, y compris pour étudier ses propres décisions de justice. Le jour où l'open data des décisions de justice sera une réalité dans ce pays, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Il y a un contentieux en cours là-dessus, donc je n'en dirai pas plus. Alors, pour ma part, moi, je suis assez convaincu des vertus et du fait que l'intelligence artificielle est une opportunité, peut-être plus qu'une menace, pour l'activité administrative et juridictionnelle. Et si je m'écoutais, si je me lâchais complètement, mon propos porterait plutôt sur le droit opposable à un traitement algorithmique, c'est-à-dire le droit pour un citoyen de voir son affaire traitée par un algorithme. Alors, ce n'est pas une idée complètement iconoclaste, puisque le Conseil d'État italien, en avril 2019, a effleuré l'idée, même étudié un peu le sujet, en s'appuyant sur le principe constitutionnel de bonne gestion administrative. C'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer en France que l'objectif de sauvegarde des deniers publics, un objectif constitutionnel, le principe de mutabilité du service public, qui conduit à adapter le service public aux exigences des temps contemporains, modernes, et même le principe d'égalité devant la loi, parce que finalement l'algorithme il est peut-être moins sujet aux fantaisies locales dans l'application de la loi que l'humain, sans égard, ça pourrait tout ça converger pour reconnaître une forme de droit à l'algorithme. Mais je n'en dis pas plus parce que je reste un bon vieux juge administratif et donc je vais plutôt vous parler du droit de l'algorithme ou des algorithmes plus exactement, c'est-à-dire des règles qui encadrent le déploiement d'algorithmes administratifs, donc dans la sphère administrative. À cet égard, je voudrais souligner la difficulté de l'exercice à la fois dans le temps qui est imparti et puis compte tenu de l'extrême diversité des algorithmes, ça a été souligné, et l'extrême diversité de la contribution d'un algorithme à la prise de décision administrative. Parce qu'on a souvent le schéma binaire, c'est-à-dire qu'il y a les outils d'aide à la décision. Finalement, l'algorithme est un peu une documentation, un éclairage, une assistance pour l'humain.
Et puis les outils de prise de décision, c'est la prise de décision automatisée au sens du RGPD dont parlait Joris Pingers à l'instant, où là c'est la machine en fait qui décide, même si formellement ça peut être signé après par un humain, mais c'est la machine qui a tout défini. Et c'est vrai que ça peut appeler des règles juridiques très différentes en réalité, parce que les implications ne sont pas du tout les mêmes. Je vais vous parler de deux sujets, en fait, très brièvement, à la fois la transparence des algorithmes administratifs et la légalité des algorithmes administratifs. Alors, sur la transparence, je m'en tiendrai à ce stade à la question de la transparence formelle, même si, en réalité, comme ça a été très bien dit par Jamal Atif, ce qui compte, c'est la transparence réelle, c'est-à-dire l'intelligibilité, finalement, du traitement et de ses conséquences, et de la façon dont il fonctionne. Enfin, une des conditions, quand même, pour pouvoir auditer éventuellement, si c'est possible, c'est d'avoir accès à la documentation et au code source. Donc, on est quand même, on a bien une condition nécessaire, mais pas suffisante, de transparence, qui est l'accès, je dirais, au logiciel, au code source et à toutes les documentations qui l'entourent. À cet égard, je veux dire qu'on est quand même assez bien pourvu. On a le RGPD d'un côté, qui permet d'obtenir les données à caractère personnel et pour la prise de décision automatisée, c'est-à-dire les décisions qui sont prises automatiquement par une machine, par ordinateur, le droit de connaître la logique sous-jacente du traitement, dit le RGPD, ce qui est un peu vague, mais on a quand même déjà une première garantie. Et puis, pour ce qui concerne spécifiquement les algorithmes de l'administration, on a la loi, l'ex-loi CADA, désormais le Code des relations entre le public et l'administration, qui comporte un certain nombre de garanties de droit à communication. On a un droit à communication des codes sources et de la documentation sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, dès lors que le traitement algorithmique il est produit ou reçu par l'administration dans le cadre de ses missions de service public. Et c'est un droit de communication qui trouve plusieurs limites. Il y en a une notamment qui est que si un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, le traitement algorithmique, le code source notamment, n'est pas communicable. Et donc tout dépend un peu de la manière dont l'administration a conçu le marché public et sur quelle option elle s'est fondée dans le cahier des clauses administratives générales applicables. Est-ce qu'il y a eu transfert ou pas des droits de propriété intellectuelle? Mais s'il n'y a pas eu, c'est vrai que c'est le titulaire des droits qui peut s'opposer à la communication, ce qui est quand même déjà une restriction un peu fâcheuse. Et puis, il y a une autre limite qui tient au secret protégé par la loi, puisque le législateur peut décider de mettre un traitement algorithmique donné sous le boisseau, mais il ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition non plus, puisqu'on sait depuis peu, depuis le 3 avril 2020 et la décision du Conseil constitutionnel sur Parcoursup, que le droit d'accès aux documents administratifs, c'est un droit constitutionnellement protégé. En fait, il l'est depuis 1789, c'est fondé sur l'article 15 de la déclaration de 1789, mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas, je pense, perçu toute la portée de cette déclaration sur ce point au moins. Et donc, le Conseil constitutionnel va vérifier que le législateur a fait une balance acceptable entre ce droit d'accès, transparence, et puis d'autres exigences constitutionnelles ou des considérations d'intérêt général. Et il l'a fait dans Parcoursup, justement pour admettre que le secret des délibérations des équipes pédagogiques puisse s'opposer, dans une certaine mesure, à la communication des traitements algorithmiques mis en œuvre au niveau local dans la procédure Parcoursup, donc de préinscription à l'université pour les bacheliers, les futurs bacheliers. Et il l'a fait, je dirais, dans des termes assez conciliants avec l'administration, à mon avis, puisqu'on a là une loi qui n'ouvre pas l'accès aux caractéristiques du traitement, en réalité, et permet seulement à l'élève à l'égard desquels une décision a été prise, d'obtenir communication de critères, de modalités d'examen, mais pas de l'intégralité des données, du code source. Et au tiers, la loi ne prévoyait rien, et le Conseil constitutionnel a ajouté une réserve d'interprétation pour dire qu'il faut quand même qu'il y ait un rapport qui décrit les critères mis en œuvre et la façon dont le traitement algorithmique a influé sur la décision, le mode de contribution. Ça veut dire quand même qu'au nom de l'indépendance des décideurs, en l'occurrence des équipes pédagogiques, on accepte de mettre sous le boisseau le traitement algorithmique en cause et donc de garder l'opacité perpétuelle du traitement, ce qui, moi, ne me convainc pas complètement. Je trouve que c'est complètement justifié de conserver la confidentialité tout au long du processus. Pour ça, on a l'exception de caractère préparatoire des documents administratifs. Tant que la décision n'est pas prise, on n'a pas le droit d'accès à des documents qui la préparent. Mais une fois que c'est pris, je ne vois pas très bien la logique qui consiste à interdire la communication. Je trouve que ça a au contraire un effet vertueux, de la même façon que le juge, quand il sait que sa décision va être publique ou une administration, il la rédige peut-être un peu différemment et plutôt, à mon avis, dans un sens vertueux que dans un sens problématique.
Quoi qu'il en soit, on peut dire que la transparence formelle est quand même assez largement assurée dans le droit positif, sous le contrôle de la CADA et du juge administratif. Reste la question, évidemment, de la transparence réelle, parce que le code, le CRPA est couvert de mentions selon lesquelles cette information, elle doit être intelligible, elle doit être compréhensible. Mais il arrive un moment où, déjà, où la pédagogie est forcément réductrice, et il arrive un moment où, en fait, on se heurte au problème même de l'explicabilité. Alors, sur le deuxième point, la légalité, j'essaie d'être rapide, le contrôle de légalité des traitements algorithmiques, il se heurte déjà à une première difficulté qui est comment saisir un acte administratif derrière un programme informatique. Parce que le juge administratif, il est saisi d'un recours contre un acte administratif. Alors parfois, on l'a, cet acte administratif, quand c'est un décret qui crée un traitement de données à caractère personnel, parce que dans certains cas, la loi de 78 oblige l'administration, c'est l'État, à créer ces traitements par décret. Dans ce cas-là, on a un acte qu'on peut saisir. Je donne un exemple de récent. C'est l'application Alicem, déployée par l'État, qui est une application qui permet d'accéder à des téléprocédures administratives de manière sécurisée. Pour créer un compte Alicem, il y a une phase de reconnaissance faciale, il y a un test qui est réalisé et qui est contrôlé, vérifié par un algorithme de reconnaissance faciale et un algorithme de reconnaissance du vivant. Pour être sûr que ce n'est pas un robot qui est en train de se créer le compte Alicem. Là, on a un décret en bonne et due forme, donc on peut le contrôler. Et d'ailleurs, le débat qui a eu lieu et sur lequel j'ai conclu, mais la décision n'est pas encore rendue, elle le sera la semaine prochaine, donc je n'en dirai rien. C'est une question très intéressante. L'association requérante, comme la CNIL d'ailleurs, soutiennent que le consentement à ce test de reconnaissance faciale n'est pas libre parce que l'État ne propose pas d'alternative physique, une solution guichet ou en tout cas une vérification de l'identité en face à face, fût-ce à distance, par un agent public, voilà, en chair et en os. Donc on a une question de nécessité du traitement algorithmique et de liberté du consentement compte tenu des différentes options qui sont ouvertes. Je n'irai pas beaucoup plus loin, même si dans mes conclusions, je proposais de rejeter cette requête parce que je crois que la condition de liberté du consentement et la nécessité du traitement, elle s'apprécie compte tenu des caractéristiques du traitement telles qu'elles se présentent à nous et pas compte tenu de ce qu'elles pourraient être compte tenu d'une autre organisation que le responsable de traitement a retenu, des recrutements qu'il pourrait faire, parce que quand même la conséquence consiste à dire qu'on ne peut pas se contenter de faire de la reconnaissance faciale, de la vérification par un algorithme. Il faut, si on le fait, doubler ça du recrutement de personnel qui viendrait, si les gens le souhaitent, se présenter avec leur carte d'identité pour que leur identité soit reconnue de manière fiable. Je caricature un tout petit peu le débat, mais c'est quand même bien l'idée sous-jacente. Hein. Voilà. Donc, dans d'autres cas, on n'a pas d'acte formel qui crée le traitement de données. Et donc, il faut soit aller tirer cette décision, la révéler, comme le juge administratif le fait. On l'a déjà admis pour une simple instruction ministérielle. On a dit que ça révélait l'existence d'un traitement de données. Ou alors, il faut s'appuyer sur la branche de jurisprudence qui ouvre le prétoire du juge administratif aux documents et aux actes qui ont un effet notable sur la manière dont les décisions sont prises. C'est une décision de section Gisti de cette année. Et c'est vrai que c'est difficile de contester qu'un algorithme qui fonde en tout ou partie des décisions administratives n'aurait pas d'effet notable. Et donc, je crois que par ce biais-là, on peut arriver à attraper le traitement comme acte administratif. Alors, l'intérêt de pouvoir le faire rapidement, c'est que ça permet de saisir en amont le traitement lui-même dans son principe pour éviter de laisser sévir dans la nature un Frankenstein dont le créateur ne contrôle plus rien et qui va produire des décisions individuelles qui seront elles-mêmes illégales en chaîne. Donc il vaut mieux dans ce cas-là intervenir en amont. Puis l'autre intérêt, c'est éventuellement de contrôler la procédure qui a précédé le traitement algorithmique, ce que normalement on ne peut pas le faire par voie d'exception. Lorsqu'il y a un litige individuel, on ne peut pas en principe regarder si l'acte sur le fondement duquel la décision a été prise, était régulier dans sa forme et dans sa procédure. Voilà. Donc tout ça dépendra aussi des évolutions dans l'encadrement procédural. On pourrait imaginer, par exemple, un principe de participation des citoyens à l'élaboration des algorithmes administratifs, comme existe un principe de participation des citoyens aux décisions relatives à l'environnement. Je termine sur la question du contrôle de fond. Je vais aller très, très rapidement. Qu'est-ce qu'on va contrôler ? Si on admet qu'on puisse contrôler quelque chose, qu'est-ce qu'on contrôle ? Alors c'est assez clair, enfin en partie, pour la prise de décision automatisée, c'est-à-dire celle qui est prise par la machine. Parce que là, on a un cadre juridique qui est fixé par l'article 47 de la loi CNIL et éclairé par la décision du Conseil constitutionnel de 2018 sur la loi qui met en œuvre le RGPD, d'une certaine manière. On a, par exemple, l'obligation
de transparence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déployer une prise de décision automatisée si on ne peut pas accéder, dans les conditions que j'ai dit, aux éléments, aux règles et caractéristiques du traitement. Et donc, si un secret protégé par la loi y fait obstacle, comme dans Parcoursup, ça ne peut pas être... Ça ne peut pas fonder une décision à soi seul. Il faut dans ce cas-là qu'il y ait l'humain, que ce soit juste une prise de décision assistée, éclairée, mais l'humain doit pouvoir prendre la décision librement derrière. Il faut qu'il y ait un recours administratif aussi, c'est-à-dire que la personne ait le droit à contester ce que dit l'algorithme par un recours administratif. Je pense d'ailleurs au passage que ce recours administratif, dans ce cas-là, il devrait être obligatoire. Ça éviterait que le juge soit directement saisi de ces questions et qu'il y ait toujours une étape de vérification humaine après la décision prise par l'algorithme. Il faut pas que des données sensibles soient utilisées. C'est-à-dire que les données dont on parlait tout à l'heure, catégories particulières de données sur la santé, l'origine ethnique, les convictions religieuses, etc. Et enfin, il faut que le responsable de traitement le maîtrise et maîtrise aussi ses évolutions et soit en capacité d'expliquer en détail et de façon intelligible, dit le Conseil constitutionnel, le fonctionnement de l'algorithme, ce qui en fait revient à exclure purement et simplement de la prise de décision automatisée, les algorithmes d'apprentissage évoqués tout à l'heure, je crois même supervisés, en tout cas non supervisés, ça c'est sûr, supervisés je crois aussi, dès lors qu'on n'est pas en capacité d'expliquer complètement ce que contient la boîte noire. Et donc c'est quand même une restriction très très forte. Voilà. Et pour le reste, il y a un contrôle d'erreur de droit finalement sur l'algorithme, c'est-à-dire est-ce qu'il utilise des critères qui sont hors sujet, inopérants, qui ne sont pas prévus par la loi, est-ce qu'il sort du cadre légal ou pas. Et ça veut dire qu'il faut vérifier que les critères, les paramètres qui sont implémentés, les 75 milliards éventuellement, sont bien conformes à la loi. Et éventuellement aussi, pour éviter des biais, il faut s'assurer qu'on a exclu certains critères pour éviter que, subrepticement par un apprentissage automatique, par exemple, on en vienne à tenir compte de considérations qui sont en fait étrangères, le sexe, l'origine ethnique, comme je le disais, etc., qui sont étrangères. Est-ce que le traitement algorithmique pourrait développer de lui-même par l'effet de l'apprentissage. Donc c'est un peu comme quand on manage des équipes, il ne faut pas se contenter de dire on va tous à gauche, il faut dire on va tous à gauche et on ne va pas à droite. Voilà, donc il faut aussi dire ce qu'il faut prendre en compte et ce qu'il ne faut surtout pas prendre en compte dans le traitement. Je crois que c'est une condition de l'égalité potentiellement du traitement. Voilà. Et puis la pondération des critères, ça va de soi. Voilà, est-ce qu'il faut aller au-delà? C'est une question, je vais la laisser ouverte parce que je crois que j'ai un peu explosé mon temps de parole. Simplement pour dire que je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus, il ne faut pas être trop exigeant, parce que ce qui compte in fine, c'est le résultat, c'est-à-dire la décision elle-même. Est-ce qu'elle est délirante ou est-ce qu'elle est acceptable? Quand le Conseil d'État s'assure que le droit au déréférencement sur Google est respecté, parce qu'une personne demande à ce que quand on tape son nom sur Google, n'apparaissent plus telle ou telle page internet sur laquelle on indique qu'il a été condamné pour pédophilie ou que sais-je. C'est du vécu, entre guillemets, enfin pas personnel, mais dans une décision qui a été rendue, je vous rassure, en décembre dernier. On ne s'intéresse pas à l'algorithme de Google. Enfin, on s'en fiche de savoir comment il fonctionne et pourquoi il a abouti à ce résultat-là. On s'assure juste que le résultat, il est conforme à la règle de droit au terme de la balance d'intérêt Google Spain entre l'intérêt, le secret de la vie privée d'un côté et puis la transparence, l'intérêt du public à connaître, l'intérêt légitime à connaître des choses sur telle ou telle personne. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, surtout que le juge administratif, quand il rédige ses propres décisions, vous l'aurez remarqué, même si ça a beaucoup évolué, il ne s'explique pas toujours en détail sur ce qu'il veut dire. Dans le passé, on disait dans cette maison que plus c'est douteux, plus on affirme, et du coup, on utilisait la formule sacramentelle, il ressort des pièces du dossier sans plus s'expliquer. Non, il faut accepter qu'à certains moments, que ce soit pour l'humain ou la machine, les voies du Seigneur sont un peu impénétrables et surtout sur les décisions qui sont rendues contrairement à mes conclusions. Mais ça, c'est un autre sujet que je n'ai pas abordé aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Alexandre Lallet. Il n'y a pas que les juges qui sont opaques dans leurs décisions, les universitaires aussi. Hein. Si on nous demandait de justifier toutes nos décisions d'admission à l'université, ça serait un peu compliqué. Enfin, en tous les cas, il faudrait doubler l'effectif, probablement. Bien, je passe immédiatement la parole à Winston Maxwell. Donc, Winston Maxwell qui... est un double profil en fait de juriste et d'économiste. Il a une carrière de juriste praticien et puis il s'est tourné vers le monde académique où il fait de l'économie du droit et particulièrement appliqué aux questions du numérique.
numérique. Et donc, Winston, tu as la parole pour une douzaine de minutes, si tu arrives à te tenir à ce temps de parole. Merci beaucoup. Merci, Eric. Bonjour, je vais couvrir trois sujets en 12 minutes. Donc, les sujets sont l'explicabilité, la non-discrimination et ensuite le cadre réglementaire fondé sur l'accountability. Alors, l'explicabilité, bon, on en a déjà beaucoup parlé sur la transparence. Il y a beaucoup de formes d'explication, comme Jamal Atif a indiqué. Ça dépend à qui on parle. Est-ce qu'on parle à un mathématicien? Est-ce qu'on parle à un régulateur, un citoyen? Et je dirais, la loi est en train de chercher la bonne forme d'explication, parce qu'on voit dans le RGPD, il faut donner la logique sous-jacente. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Dans le règlement Platform to Business, il faut que l'explication soit utile pour le commerçant. Donc, il y a une question d'utilité. Ça sert à quoi pour les rankings, etc. Dans le code des relations du public avec l'administration, c'est beaucoup plus détaillé. Il faut les critères et leur pondération. Mais ce qui est vrai, ça a été dit plusieurs fois, la transparence, à savoir un accès au code source, ça ne va pas servir à grand-chose, surtout pour les juristes ou les régulateurs. Alors, quand est-ce que la loi exige une explicabilité? Là, il faut distinguer entre les algorithmes qui sont déployés dans le privé et dans le secteur public. Dans le privé, il n'y a pas de fondement constitutionnel qui oblige une transparence et une explicabilité. La pâtisserie du coin n'a pas à justifier pourquoi il ne vend plus d'éclairs au chocolat. En revanche, il y a des lois spécifiques, le RGPD, le règlement Platform de Business, il y a des lois du secteur bancaire, etc., qui peuvent donc apporter une obligation d'explicabilité, mais ça ne découle pas généralement d'une obligation constitutionnelle. Dans le secteur public, en revanche, on trouve aux États-Unis et en Europe un fondement constitutionnel. Aux États-Unis, c'est le due process, et en Europe, c'est ça a été dit, le recours effectif doit être un recours procès équitable, accès aux documents de l'administration. Alors, trois cas de jurisprudence. Le premier est américain, Loomis contre Wisconsin. C'est le fameux algorithme qui prédit des scores de probabilité de récidive d'un détenu. Alors, c'était à l'origine pour aider les experts pénitentiaires, les agents pénitentiaires et les juges d'application des peines à moduler les peines, dire est-ce qu'on peut mettre sous liberté conditionnelle, etc. Donc, un juge s'est appuyé sur ce score de probabilité pour fonder une décision de peine. Et la personne concernée a contesté en disant « c'est contraire à mon droit de due process américain parce que le logiciel, le score est opaque. » Et dans ce cas-là, le tribunal a dit « non, il n'y a pas de violation du due process parce que le score utilisé par le juge était un facteur tout à fait mineur dans la décision. » Le juge s'est appuyé sur beaucoup d'autres facteurs factuels et justifiés. Et donc, le poids de cet élément était négligeable. Donc, il n'y a pas de violation du due process. En revanche, le tribunal a dit que lorsqu'on utilise un algorithme de ce type, il faut qu'il s'accompagne d'une notice d'explication, une notice d'utilisation très détaillée, notamment sur les limites et les faiblesses de l'algorithme pour mettre en garde l'utilisateur, qu'il soit un juge ou un agent pénitentiaire, sur les biais sous-jacents, par exemple. Parce que dans chaque algorithme qui s'appuie sur l'apprentissage des données, il y a des biais forcément cachés. Donc, il faut informer l'utilisateur pour qu'il en tienne compte. Le deuxième cas de jurisprudence, c'est dans l'État de Texas. C'est un algorithme pour noter la performance des enseignants dans la ville de Texas pour aider à gérer leur carrière, les questions d'augmentation, etc. Le syndicat des enseignants a contesté en disant « c'est opaque, c'est contraire à nos droits de contester ». Et là, le tribunal a donné raison au syndicat des enseignants en disant « oui, ça prive les enseignants de leur droit
de critiquer l'algorithme, de le tester, et donc il y a un déni de due process. Une décision similaire aux Pays-Bas pour un algorithme utilisé pour détecter la fraude à la sécurité sociale, un algorithme opaque. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme était uniquement un élément d'aide à la décision et que la vraie décision devait s'appuyer sur d'autres éléments par un agent de la sécurité sociale, donc une personne avec un vrai rôle. Donc, il y avait une intervention humaine effective, mais malgré cela, le tribunal des Pays-Bas a dit que sans une transparence sur cet algorithme, il y a une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il ne s'est pas appuyé sur le RGPD, il est allé directement sur la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, ça m'emmène de dire deux mots sur la discrimination algorithmique. Alors, la première chose que j'ai appris en rejoignant Télécom Paris, c'est que la discrimination, on ne peut pas avoir une discrimination parfaite sur tous les angles en même temps. Il y a des lois mathématiques qui rendent incompatible, par exemple, la discrimination, la non-discrimination à titre individuel et la non-discrimination de groupe. Et lorsqu'on bouge un, ben, on dégrade l'autre. Et finalement, la non-discrimination, si on pousse trop loin, on détruit la performance. Donc, c'est un sujet très complexe sur le plan informatique. Mais là, je voudrais juste citer le cas très important dans notre société de la discrimination fondée sur la couleur de peau ou sur le genre. Et là, les États-Unis sont moins contraints que l'Europe en matière d'utilisation de données de couleur de peau, d'origine ethnique, etc., ce qui leur permet d'élaborer des tests assez poussés de non-discrimination pour les algorithmes. Par exemple, il y a une agence américaine des normes techniques qui s'appelle la NIST, qui est devenue le centre mondial de tests de non-discrimination pour les algorithmes de reconnaissance faciale. Donc, partout dans le monde, les développeurs envoient leur algorithme, ils reçoivent des scores très précis sur différentes couleurs de peau, de genre, de nationalité, d'origine ethnique, et en fonction de ça, les développeurs essaient d'améliorer leur caractère non discriminatoire. Et je pense depuis un moment que c'est dommage que l'Europe ne soit pas en mesure de faire la même chose. Je sais que ça se heurte à des principes très importants qui sont dans les RGPD, mais beaucoup plus loin de la non-utilisation de ce type de données. Le deuxième sujet de non-discrimination américaine que j'ai trouvé intéressant, c'est des recherches à Berkeley sur un algorithme d'admission aux universités. Qu'est-ce qui est un algorithme vraiment non discriminatoire pour l'admission à l'université? Mais ils ont trouvé que le meilleur algorithme, c'était celui qui tenait compte justement de la couleur de peau ou du quartier dans lequel a grandi le candidat et ajuster les paramètres en fonction de ces critères-là. Donc, à la limite, c'est presque un algorithme qui est le contraire d'être aveugle à la couleur, est conscient de la couleur et peut compenser quelque part le background pour mieux prédire le taux de réussite à l'université. C'est une forme presque de discrimination positive, algorithmique, mais qui sert in fine à arriver à un résultat non discriminatoire plus satisfaisant. Maintenant, c'est très controversé. En France, ça se heurterait au principe constitutionnel de l'égalité, mais il reste un peu dommage qu'en Europe, on est très, je dirais, en arrière par rapport à cette recherche de non-discrimination en raison de ces contraintes qui sont justifiées. Je n'ai pas la réponse, mais je voulais juste souligner ça. Et en conclusion, le troisième point, c'est le cadre réglementaire. Et là aussi, je voulais faire un coup de projecteur aux États-Unis. L'État de Washington, qui est dans le Nord-Ouest, où il y a Seattle, a adopté en mars dernier une loi sur la régulation des algorithmes de reconnaissance faciale. Alors, ça se trouve, ça s'applique à la reconnaissance faciale, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel algorithme qui a des impacts importants sur la société.
Alors, cette loi est assez, est l'exemple le plus abouti, à mon sens, d'un principe d'accountability pour gérer les algorithmes. Il s'appuie sur 5 éléments. Premièrement, le fournisseur de l'algorithme doit donner une notice d'information très, très détaillée, un peu comme un médicament, c'est-à-dire l'origine de l'algorithme, qui l'a édité, quelles sont les données d'entraînement, d'apprentissage, quels sont les tests, comme les tests cliniques, quels sont les biais connus, quels sont les conseils d'utilisation. Deuxièmement, l'exploitant de l'algorithme doit lui-même élaborer un cahier des charges pour l'utilisation, pour être sûr qu'il est utilisé uniquement dans les cas d'usage autorisés, qu'il y a minimisation de données, minimisation du stockage, un peu comme la RGPD. Troisièmement, il y a une étude d'impact sur les droits fondamentaux. On doit analyser l'impact éventuel de discrimination sur différents groupes de la population et proposer des remèdes pour ces discriminations. Quatrièmement, il faut que l'algorithme soit ouvert à des tests indépendants par une interface de programmation. Et enfin, il y a un cadre institutionnel de contrôle avec une commission, avec différentes parties prenantes du Parlement et des stakeholders. Voilà, ce système est perfectible, mais il me semble que c'est une bonne source d'inspiration lorsque nous, on réfléchit en Europe à une bonne régulation des algorithmes. Merci beaucoup. Merci infiniment, Max Winston, pour ce panorama des initiatives prises à l'étranger, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Merci aussi pour les questions fondamentales qu'elle pose, puisque finalement, au fond, ce qui apparaît, c'est que plus on rentre de données contrôlées pour entraîner les algorithmes, moins ils risquent de se tromper. Et donc, effectivement, parfois, il faut des protections qui avaient été bâties dans un monde non algorithmique. Peut-être qu'il faut penser à les repenser, en tous les cas. Voilà. Alors, puisque on est dans la prospective, et comme on l'a dit au tout début de ce colloque, comme en fait ces questions ne peuvent être abordées qu'à un plan européen, on est très heureux de bénéficier de l'intervention de Werner Stein qui, comme je le disais ce matin, comme je le disais à l'introduction de cette séance, est un des piliers de la construction européenne d'une régulation alors des données, du numérique, de l'intelligence artificielle. Il est en ce moment au cabinet de Margaret Vestager. Et il va nous dresser un peu un panorama de ce qui a déjà été fait en matière de régulation algorithmique au plan européen et des projets de la Commission qui, comme vous le savez, et comme effectivement le rappelait le commissaire français hier dans Le Monde, est très active évidemment sur ce sujet. Et on va aussi... à travers cette intervention de Werner Stein, revenir sur un des points qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était que les algorithmes ils avaient des conséquences sur les droits individuels, et on en a beaucoup parlé, mais ils ont aussi des conséquences sur les interactions entre les acteurs, notamment les acteurs de l'économie. Ils posent des problèmes concurrentiels redoutables, on en a parlé ce matin. Mais Werner va nous en reparler à travers les initiatives de la Commission. Werner, the floor is yours. Bon, merci beaucoup. Et merci pour cette introduction gentille et pour l'invitation aussi. C'est un très grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Bon, parmi vous, je suis ici à Bruxelles, mais presque. Merci aussi aux intervenants précédents qui ont tellement bien décrit tous les enjeux liés aux algorithmes et à l'apprentissage automatisé. Donc, je dois plus en parler. Il est aussi tard, donc je vais être bref. Donc, ça me permet de vous présenter simplement trois initiatives ou trois exemples des initiatives européennes qui sont pertinentes dans ce contexte. Le premier, c'est le règlement, ça a déjà été mentionné, dit « platform to business » ou le nom correct, c'est
le règlement promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne. Ce règlement a entré en vigueur en juillet de cette année-ci. Deuxièmement, c'est comme pense faire dans ce Digital Services Act, donc la révision de la directive sur le commerce électronique qu'on va proposer bientôt. Et troisièmement, nos pensées actuelles en matière d'intelligence artificielle, où on a lancé un livre vert au printemps de cette année-ci, et on va faire suite avec un règlement sur les risques, comment réglementer les risques liés à cette technologie. Donc, pour commencer par le règlement, parce que c'est intéressant, c'est le premier acte législatif, en fait, qui traite de la question algorithmique, des questions des algorithmes, même si, évidemment, il y a d'autres éléments dans ces règlements qui ne portent pas sur ça. Parce qu'en général, comme vous le savez sans doute, ce règlement porte sur les relations entre les plateformes et les entreprises utilisatrices de ces plateformes qui doivent les utiliser pour offrir leurs biens, leurs services aux consommateurs. Donc, les plateformes qu'on a définies en tant que fournisseurs de services d'intermédiation, je dois toujours relire ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est Amazon, c'est Booking.com, c'est les App Store, toutes sortes de places de marché. Évidemment, le règlement couvre plusieurs aspects, mais un article qui est particulièrement important concerne le classement qui est fait par les plateformes. Donc, la façon dont ils présentent la priorité entre tous les biens et services offerts suite à la recherche, évidemment, faite par le consommateur. C'est clair que ce choix qui est fait par les plateformes, ce classement, a une incidence importante sur le choix des consommateurs et par conséquent sur la réussite commerciale des entreprises utilisatrices. Donc ça, c'est évident. Étant donné l'importance de cet aspect de classement, cet article s'applique aussi aux moteurs de recherche en ligne, donc pas seulement aux intermédiaires, aux marketplaces, mais aussi aux moteurs de recherche. Donc comment les plateformes font-ils pour établir ces priorités? Bon, ils utilisent des algorithmes. Leur fonctionnement, donc le fonctionnement des algorithmes, est complètement opaque pour les utilisateurs qui n'ont aucune visibilité de ce processus. Et ceci, par ailleurs, est beaucoup plus problématique quand ils sont en pleine concurrence avec les propres services offerts par ces plateformes. Donc, on a travaillé pour améliorer la transparence, l'explicabilité, si vous voulez, pour que ce classement soit fait d'une manière non arbitraire. Désormais, les plateformes doivent décrire au préalable les principaux paramètres qui déterminent le classement. Donc, les principaux paramètres. Ceci pour améliorer la prévisibilité pour les utilisateurs et à leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement du mécanisme de classement. Donc, pourquoi principaux, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il s'agit d'identifier un nombre limité de paramètres, mais qui sont les plus importants parmi un nombre probablement beaucoup plus élevé des paramètres qui influencent le classement. Donc, mais il faut se concentrer sur les choses importantes, parce que sinon aussi, si vous êtes une petite entreprise utilisatrice d'une plateforme et on vous donne une liste de 300 paramètres, ça vous n'aide pas du tout, parce que ça doit aussi être utile, évidemment. C'est pas seulement la transparence qui est déjà bien en soi, et peut-être le régulateur, les administrations sont intéressés aussi par cette transparence. Mais un petit PME doit pouvoir travailler avec ça. Donc, pour mieux comprendre, donc, quelles sont les choses qui influencent mon ranking, comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma visibilité sur la plateforme. En même temps, une limite, évidemment, le règlement dit clairement que les plateformes ne doivent pas divulguer le fonctionnement détaillé de leur mécanisme de classement. Ça veut dire les algorithmes. Donc, il y a beaucoup de raisons pour ne pas aller si loin. Aussi, évidemment, pour pouvoir agir contre la manipulation des classements. Donc, il y a une limite, mais quand même les principaux paramètres. Donc, c'est la première fois qu'on a vraiment
fait ça dans une loi mondiale, en fait, pas seulement européenne. Donc, le deuxième dossier, le Digital Services Act, va un peu suivre la même logique, mais maintenant, on ne parle plus seulement des entreprises qui sont déjà couvertes, si vous voulez, par ce règlement. Mais en fait, tout le monde est concerné par les algorithmes utilisés par les très grandes plateformes. Ça nous concerne tous, ça concerne n'importe quel utilisateur, citoyen. C'est important pour nos processus démocratiques. Donc, comme vous le savez, les plateformes jouent un rôle important dans la structuration des flux d'informations et aussi de l'amplification des enjeux sociaux. Donc là aussi, on veut plus de transparence, peut-être en suivant l'exemple qu'on a déjà eu dans ce règlement pour les entreprises. Donc, quelles sont les options? Qu'est-ce qu'on pense faire? Parce qu'on n'a pas encore fini ce travail. On veut que ces très grandes plateformes, et on doit encore définir exactement ce que ça veut dire, une très grande plateforme, font l'objet d'un examen et d'une surveillance approfondie. Et là, par exemple, déjà les critères de transparence des pratiques de modération des contenus, donc un peu comme je viens de décrire pour les entreprises, la transparence de base sur les systèmes de recommandation. Donc, d'abord la transparence, deuxièmement, la surveillance par les régulateurs compétents, peut-être aussi un audit externe de ces pratiques suite à un risk assessment qui doit être fait par ces plateformes. Donc, ça, c'est encore dans le making, si vous voulez, c'est pas encore tout à fait décidé, mais ça est très probable que vous allez voir ça bientôt. Troisièmement, et avec ça, je finis, sur l'intelligence artificielle. Là, on a déjà beaucoup en parlé maintenant, les intervenants précédents, de tous les risques liés à cette technologie, du point de vue des citoyens, le risque de la discrimination, des biais, etc. Donc, encore une fois, c'est l'opacité qui doit être traitée par des exigences de transparence et notre cadre réglementaire qu'on va probablement proposé, je ne sais pas, mars de l'année prochaine, va évidemment contenir des exigences dans ce domaine. Donc, l'information sur les données utilisées pour former, pour tester les systèmes d'intelligence artificielle, décrire la manière dans l'ensemble des données a été sélectionné, documenter la programmation, les méthodologies, les processus, les techniques de formulation utilisées pour construire, tester et valider les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, ce n'est pas encore fini, mais je crois que ce sont très bons exemples dans la manière dont la législation peut essayer au moins de faire face à ces défis technologiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Werner, merci à tous les intervenants. On avait essayé de garder un peu de temps pour la discussion, mais le temps arrive presque à son terme. Est-ce qu'il y a des questions du côté des internautes peut-être qui seraient intéressantes ou de la salle? Mais je vais d'abord demander aux internautes. Vous avez? Non? Ok, alors... Vous dites que les algorithmes, effectivement, s'appuient sur les données, mais les données, elles augmentent de façon un peu exponentielle. Hein, et cette même donnée, elle est de plus en plus réglementée et partagée. Donc c'est vrai que si, effectivement, on parlait de petites entreprises, on parlait de digitalisation, on parlait de transformation, c'est vrai que ça va complexifier énormément les choses pour les entreprises actuellement. Puis on a aussi, alors effectivement, à l'ère du numérique où nous sommes, hein, des scientifiques viennent de découvrir qu'on pouvait stocker, maintenant ils ont réussi à reproduire le système de stockage via des neurones et des synapses. Donc là aussi, on rentre dans des technologies qui vont encore plus complexifier les choses. Donc c'est vrai qu'il existe des outils hein, de data management, hein, parce que bon, je ne me suis pas présenté, donc on est une société de... c'est une société qui s'appelle Synapse qui est dans le data management. Et dans le data management, il existe ce qu'on appelle le data lineage qui permet effectivement de tracer la donnée. Donc ça peut être un premier outil qui permet effectivement d'avoir une visibilité sur la donnée. Après, quand ça devient plus compliqué, effectivement, on peut avoir un mixte entre ce data lineage et puis effectivement d'autres paramètres dont vous parliez. Puis ensuite, on rentre dans des trucs un peu plus complexes et justement opaques.
Donc, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de l'affaire Facebook, où ils avaient inventé deux chatbots qui communiquaient entre elles avec un langage que les scientifiques comprenaient. Et à un moment donné, ils ont changé de langage. Et donc, les chercheurs n'ont plus été capables, finalement, d'appréhender le langage qu'avait pris la machine. Donc, effectivement, là, si le chercheur n'est plus apte à comprendre la machine, le juge et, effectivement, les réglementations, ça va devenir compliqué. Donc là, on va revenir à ce que vous disiez, donc c'est que la machine va devenir une entité, et cette entité, il faudra effectivement peut-être la traiter de la même façon que l'humain, parce que nous-mêmes, nous sommes complexes. Donc voilà, donc c'est plutôt une vision prospective qui, effectivement, donne une vision de la complexité dans laquelle on va aller, quoi. Voilà, si vous avez une de vos questions. Alors, pour répondre à cette question, enfin plutôt à ce commentaire, je pense que la parole revient un peu naturellement à Jamal, puisque les chercheurs en intelligence artificielle, évidemment, réfléchissent à ces questions autour de l'éthique de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, deux mots et très rapidement. Bon, il faut toujours un peu séparer du fantasme de la réalité de la chose. Hein. Enfin, des chatbots qui communiquent entre eux avec un langage qu'on n'arriverait pas à déceler, on peut le faire, mais à quel but, à quelle finalité, là, je pense que je serais très prudent là-dessus. Par ailleurs, ce n'est pas une chose nouvelle. Il y a très longtemps, Sony faisait ce qu'on appelle l'émergence du langage. C'était plutôt fait dans le but de voir comment des règles émergent et comment l'histoire du langage s'est conçue. Donc là, je pense qu'il faut être un peu prudent. Il faut aussi être très prudent par rapport aux différentes annonces. On a recréé le neurone artificiel, on va faire du terme memory store ou autre. Donc, je pense que là, il faut séparer de la prospective à très long terme, qui sont très bien, utiles, de la réalité des choses. Donc, du coup, je serais un peu plus prudent là-dessus. Et après, la question se pose généralement, pas que domaine de l'intelligence artificielle, l'éthique de la production scientifique. Donc, je pense que il y a des efforts, en tout cas nous, chercheurs, il y a des efforts conséquents là-dessus pour former tous nos étudiants à l'éthique de la démarche scientifique et à la production scientifique. Mais c'est juste un commentaire là-dessus. Oui, on en revient. On a terminé la première table ronde sur les questions d'éducation des utilisateurs. Et évidemment, il y a aussi l'éducation de ceux qui fabriquent les machines pour éviter effectivement de se retrouver dans la situation de 2001, l'Odyssée de l'espace, où je ne sais plus lequel c'était, mais où il y avait la machine qui prenait le contrôle. Voilà, donc merci beaucoup. Je crois qu'il faut que nous arrêtions là. Je voudrais à nouveau remercier l'ensemble des participants à cette table ronde. Merci beaucoup à ceux qui ont accepté d'intervenir en ligne, donc Winston Maxwell, Werner Steng et Joris Plingers, et puis merci beaucoup à ceux évidemment qui ont accepté aussi d'intervenir en présentiel, donc on a une pause qui va se terminer. Est-ce qu'il faut que je rappelle ça, Madame la Présidente? Nous reprenons à 14h30. Voilà. Et merci vraiment pour cette belle table ronde.